Et bonjour à tous et bienvenue pour une émission sous le signe des super-héros ce soir. On fait une initiation tant attendue sur TTS de Marvel Champion avec Kikorn et Vianney. Comment vous allez les gars? Très bien. Et toi Salut tout le Vianney? monde, bonsoir. Ben, j'attendais qu'Icord dise bonjour. Bonsoir, bonsoir. Tout va bien. Et donc ce soir, on est vraiment là en mode initiation parce que bien que Kikorn connaisse bien le jeu, il a déjà fait pas mal de parties, il fait des vidéos. Vianney, lui, est un débutant total qui a à peine lu le livre de règles. Donc si vous voulez découvrir le jeu et les règles, eh ben c'est parfait, c'est le moment. Et j'ai une caméra floue parce que ma mise au point vient de se barrer. C'est Voilà. Et parfait. moi, je serai le gros noob ce soir. J'ai fait à peine une partie il y a très longtemps sur la version de base, avec les decks de base, et là je suis ravi d'apprendre avec des pros. C'est ça. Donc moi de mon côté ce que je vais faire c'est un peu animer et puis surtout gérer toute la partie méchant, comme ça vous serez tranquille de votre côté, vous aurez juste à voir ce qui va vous tomber dessus, et puis moi je prendrai un malin plaisir à essayer de choper les meilleures cartes. Et donc vous, vous allez jouer vos personnages. On va commencer par Kikorn. Qui est-ce que tu joues? Je s'appelle Groot. Ok. Donc Ça va pas être simple la communication ce soir. Groot qui grosso modo est un personnage qui va récupérer des jetons de croissance au fur et à mesure et qui va s'en servir pour faire des effets assez foufous. Et de l'autre côté, toi Vianney, que fait ton... Enfin, quel est ton personnage? C'est le célèbre Tony Stark qui, avec ses habits de lumière, devient évidemment Iron Man. Exactement, et lui qui a un peu un style de deck où il va s'équiper de plein d'améliorations afin de derrière poutrer du méchant. Donc pour les connaisseurs, il va y avoir un deck Groot commandement, donc ça veut dire que Groot, en plus de ses cartes habituelles, il va avoir beaucoup d'alliés et de moyens de s'en servir, de faire des trucs cool avec. Alors que de son côté, Vianney, lui, avec Tony Stark, va avoir un deck justice et donc va devoir gérer la manigance. Le but du jeu, encore une fois, on est là en mode initiation, va être de battre le méchant qui ce soir va être l'homme absorbant. Vous le voyez tout en haut, il y a un gros compteur avec 14 points de vie. Une fois qu'ils auront, pardon, battu la première phase de l'homme absorbant, il y aura une deuxième phase avec plus de points de vie. Et s'ils réussissent à faire tout ça, ils auront gagné. Mais si jamais les deux joueurs tombent à 0 points de vie, ou si jamais ce joli petit triangle jaune atteint le score fatidique de 24, ils ont automatiquement perdu. On va évidemment expliquer comment ça se passe tout ça durant la partie. Ce qu'on va commencer par faire, je vous propose, c'est de piocher votre première main de 6 cartes respectivement, car vos héros ont, c'est marqué en bas à gauche, une taille de main de 6. Donc, on est sur un mode français. On remercie d'ailleurs les créateurs du mode. Je ne me souviens plus de leur prénom, malheureusement. Mais c'est vraiment un mode très sympa qu'ils ont fait. Ah oui, je vois toutes les cartes vu que je suis en Game Master. C'est trop bien. Et donc, le mode, il y a des cartes qui sont un peu avec un scan de mauvaise qualité. Mais en général, c'est quand même correct. Mais genre, la Tony Stark, la qualité, bon, elle est un peu bof. Il y a un watermark FFG dessus. Bon, c'est pas parfait, mais ça fera le taf. Eh bien messieurs, qui veut être premier joueur? Parce qu'on a le premier joueur, le token premier joueur qui est ici, mais on n'a pas encore décidé. Cordes. Eh bien ce Oui, sera je vais commencer. Kicker de premier joueur, ça paraît une bonne idée. Mais avant toute chose, on va devoir faire la mise en place. Donc on voit ici qu'on a une manigance principale qui va être le truc qu'il va falloir gérer toute la partie pour ne pas perdre. Et elle nous dit juste qu'il faut défausser des cartes rencontres jusqu'à ce qu'un environnement soit défaussé. Donc là je vais m'en occuper. Ah bah voilà, l'ombre du passé qui part, c'est très très bien. Ça va éviter de faire des manipulations chiantes. Et on a l'usine abandonnée, qui est bien une carte renfort, enfin une carte environnement qui va rentrer en jeu. Qu'est-ce qu'elle fait? Après que l'homme absorbant ait été fini une attaque qui n'a pas été défendue, tu dois défausser une icône de ressources de ta main, donc une carte, grosso modo. Voilà. Donc l'homme absorbant, actuellement, il a le trait métal, ce qui peut être utile pour certaines cartes qu'il pourra attraper. On va retourner la manigance principale, et on voit, voilà. Elle commence à 2 par joueur. Vous voyez en bas, au niveau de la flèche, en bas de la carte, on voit que c'est écrit 2 avec un petit meeple, puis plus 1 avec un petit meeple. Ce qu'il faut retenir, grosso modo, c'est que on commence à 2 par personne, et qu'ensuite ça va monter de 1 par personne. Et il y a une petite étoile à côté, parce que à chaque fois qu'on va passer un tour, grosso modo, cette manigance va avoir des jetons retard, et au bout de 5 jetons retard, la partie va être plus compliquée. Jusque là, je perds personne. Vianney, toi, à ce niveau-là, pour l'instant, ça va? Moi, je m'accroche. Ok. Eh bien, on va juste commencer tout simplement par le premier tour de Keycord. Vas-y, Alors, Keycord, montre-nous je suis ton donc, foufou. je suis sous forme de alter ego. Je vais tout de suite utiliser l'action qu'il peut faire en alter ego, c'est-à-dire placer deux jetons de croissance sur lui. Exactement. Voilà, deux jetons.
Je vais utiliser une action qui coûte 0, voilà, que je vous montre, et qui me Alors, permet d'en rajouter deux autres. exactement. Pour expliquer Et il aux n'y a pas. personnes, durant son tour, en gros, on peut jouer des cartes. Et si jamais on veut jouer des cartes qui coûtent, qui ont un coût supérieur à 0, grosso modo, il faut défausser autant de ressources de sa main. Et vous voyez qu'en dessous, les ressources, c'est ce qui est en bas à gauche de chaque carte. Donc là, par exemple, cette carte-là, elle coûte 0, mais elle aurait ici pu être défaussée pour une ressource bleue. À côté, ce sera plus simple comme je vais flipper après. Si jamais tu Voilà. veux, tu peux appuyer sur la touche 2 de ton, pas de ton numpad, mais d'en haut de ton clavier pour passer un token sur la phase 3. Oui, je vais Surtout laisser que tu comme as ça pour soulevé avec un l'instant, token. si ça ne dérange pas. Non, Voilà. mais pas de souci. Alors, donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais passer sous forme de héros. On peut passer sous forme de héros ou d'alter ego une fois par tour. Oh. Ensuite, je vais payer 3. 1, 2, 3. Donc, je vais payer pour les ressources. Voilà, donc là il défausse 3 cartes pour avoir 3 ressources et jouer une carte à 3. Voilà, je vais payer pour sortir un Heli porteur. Héliporteur qui lui s'incline pour réduire de 1 le coût de la prochaine carte jouée par un joueur. Donc en gros, c'est de l'économie. Et puis, bah, écoutez, moi j'ai terminé, mais avant ça, je vais mettre une petite baffe à l'homme observant en lui faisant 2 dégâts. Donc, pour ce faire, je vais légèrement incliner la carte. Incliner Groot. Voilà. Et Donc, voilà. idem, un personnage, ce qu'il peut faire à chaque tour, c'est s'incliner pour Okay. utiliser une de ses statistiques. Le contre va permettre d'enlever de la menace au gros triangle jaune, à la manigance principale, Okay. pour pas qu'elle atteigne le maximum et pas perdre la partie. La valeur d'attaque va permettre d'attaquer directement le méchant. D'ailleurs, il n'a pas 14, en fait, il a 28. Parce que vous êtes deux. Donc là, il lui met 2. Et enfin, la valeur de défense, c'est utilisable quand on vous attaque afin d'encaisser les dégâts. Donc, bah, si t'as 3 de défense, tu prends 3 dégâts de moins en t'inclinant. Voilà, et je déclare la fin de mon tour. Et pour l'instant, je ne fais rien puisque ce n'est pas la fin du tour des joueurs. Voilà. Tout à fait. Est-ce que tu veux peut-être utiliser ton héliporteur pour aider notre ami Vianney? Car ça peut être pour un autre joueur. C'est une carte qui est intéressante à ce niveau. Oui, bah écoute, Vianney, ta première carte va coûter moins 1. Ok, c'est gentil. Et on passe donc maintenant au tour de Vianney. Très bien. Donc, Je veux bien te guider complètement sur le premier tour, si ça ne te dérange pas. eh bien, il n'y a pas de souci. Donc, toi, en gros, en tant que Tony Stark, ton but numéro 1, c'est de jouer des améliorations. Parce qu'en Iron Man, tu as une taille de main ridicule, ce qui veut dire que tu n'auras pas beaucoup de cartes en main. Si jamais tu passes en Iron Man, ça aura beaucoup d'améliorations. Donc, déjà, tu peux utiliser la capacité de Tony Stark qui te permet de regarder les 3 cartes du dessus de ton deck. Et d'en ajouter une à la main et de défausser les deux autres pour essayer de trouver une amélioration en plus. Du Donc coup, si je le t'inclines tape. pas, non, Ah, si ça c'est t'incline pas pas, écrit d'accord. t'inclines, tu ne t'inclines pas. Ok. Donc là, je prends Donc les trois vas-y. premières. Ah bah il y en a déjà une qui est J'en pas ai une très dans la main bonne. aussi. Tout à fait. Bah tu vas clairement prendre le réacteur arc. Ok. Parce que Donc ça ça, pour le demande. jouer, elle est Ça tu l'as. gratuite. Non, là tu la mets dans ta main. Ah, d'accord. Pour l'instant, je la mets dans la main. Donc Tout à là, fait. je la Donc mets tu l'as. ici. Voilà. Et les deux autres, Ces vont dans la deux-là. défausse. Ok. Donc, à partir de là, le but de ton tour va être surtout de poser justement ces améliorations que tu viens d'avoir. Pour ça, je rappelle, quand tu joues une carte, il faut défausser autant de ressources de ta main que de cartes en question, que le coût de la carte. Donc, par exemple, si tu veux jouer le réacteur arc, ou plutôt, on va commencer pour jouer la botte fusée. Pourquoi la botte fusée? Bah parce que grâce à notre ami Keycord, elle coûte moins 1. Très bien. Donc elle coûte 0, donc tu peux la jouer direct. Très bien. Donc c'est une première. Et maintenant Et pour donc jouer ça me... une. Ouais, Okay. pardon. Ah bah j'ai juste précisé, elle me permet d'expliquer à quoi elle sert en gros. Permet de gagner plus 1 en point de vie et elle Tu donne peux une déjà le action de mettre sur tout héros. personnage. Là, ton personnage, ses points de vie max, c'est directement 10. Très bien. Action de héros, incliner les bottes fusées, dépenser une ressource. Alors il y a un type particulier de Ça, c'est une ressources. ressource bleue. Et du coup, je gagne le trait aérien jusqu'à la fin de la phase, ce qui me permet de voler, tout simplement. Exactement. Et en fait, trait aérien, en termes de jeu, ça vaut rien, mais il y a des cartes qui ont des effets supplémentaires si tu as le trait aérien, si tu es en train de voler. D'accord. Très Et bien. Je pense que avec les dernières extensions, le trait aérien va prendre de... Il y a petit à petit, il y a exactement. des cartes aériennes qui arrivent, donc. Avec Star-Lord, complètement. Donc là, ensuite, tu vas chercher à jouer le réacteur arc, parce que c'est, encore une fois,
une amélioration tech, et il te faut absolument choper tous les morceaux de ton armure pour être plus efficace. Okay. Imagine, tu es dans Iron Man 3, et tu sais, les morceaux de ton armure, ils arrivent un par un comme ça sur ton corps. Et c'est un peu le Ouais, même tout à fait. délire. Ok. Donc, ce réacteur arc coûte 2. Donc, il va falloir que tu C'est le... dépenses 2 ressources. Donc, 2 cartes. Parce que tu n'as pas de cartes dans Donc, ta main qui valent plus d'une ressource. je précise, le 2, c'est bien le 2 qui est en haut à gauche de la carte qui représente le coût. Exactement. Donc, normalement, on défausse d'abord deux cartes Tout à fait. pour payer. Tu as un conseil sur les cartes à défausser maintenant? Alors, je dirais la policière en patrouille et l'agent Coulson parce que tu auras. Attends, je compte. J'ai rien dit. Alors, en fait, le pouvoir de la justice que tu as à côté, c'est une carte de ressources. Donc, elle est là juste pour payer des cartes. Mais si tu payes une carte jaune avec, elle vaut deux ressources au lieu d'une. Au début, j'allais te conseiller de défausser les cartes à trois parce que tu pourras pas toutes les jouer. Mais en fait, il y a une des deux que tu pourras jouer. Et je vais te laisser le choix. Soit tu vas jouer ce tour-ci la policière en patrouille qui va, à chaque tour, gérer un petit peu la manigance pour empêcher qu'elle monte trop haut. Et si jamais il y a un gros sbire qui rentre en jeu, tu pourras la sacrifier pour mettre une grosse mandale. Soit tu peux jouer l'agent Coulson, qui est un allié. Son intérêt premier, c'est qu'il va permettre de choper une préparation dans ton deck. Grosso modo, ça va être une carte qui va permettre de gérer la manigance, celle que j'ai mise dans le deck. Mais son vrai intérêt, c'est qu'il a deux de contre. Et donc, à chaque fois qu'il va contrer, il va perdre un point de vie, parce qu'il y a une petite étoile sous sa valeur de contre. Mais en gros, il va pouvoir gérer la manigance en début de partie, plus efficacement. D'accord. Lequel tu vas vouloir jouer ce tour-ci? Plutôt l'agent Coulson, je pense. Alors, on me dit que mon audio est un peu faible, auquel cas je vais la monter sur le stream. Hop là. D'accord, donc si tu veux jouer l'agent Coulson, auquel cas, pour jouer le réacteur arc, tu vas pouvoir défausser le multitâche, la policière en patrouille. Et attends, mais j'ai mal compté. je suis catastrophique ce soir. On va faire ça dans l'autre sens, tu vas voir, ça va être magnifique. Vas-y, on reprend tes cartes à la main. D'abord, tu vas jouer l'agent Coulson. Parce qu'il va te faire piocher une carte. Donc, pour l'agent Coulson, tu vas le jouer avec le pouvoir de la justice. Donc je Donc, défausse le pouvoir de justice. exactement, pour une carte jaune, ça va compter pour deux. Ok. Et tu veux aussi défausser la policière en patrouille. Parce que tu comptes pas la jouer. Oui. Comme Non, ça, mais t'as c'est payé bon en fait. Coulson. Mais je sais pas comment j'ai compté dans ma tête. Même là, c'était bon en fait. L'agent Coulson étant mis en jeu, tu vas pouvoir chercher dans ton deck une carte préparation. Je vais être gentil, je vais la chercher pour toi. Parce que je sais comment elle Gentil. s'appelle. Je sais même pas s'il n'y en a pas deux. J'ai un doute là-dessus. Faudra voir. Je suis pas sûr. Voilà, je l'ai mis sur le terrain. C'est le contre-espionnage. Donc tu vas pouvoir le mettre dans ta main. Et ensuite, tu vas pouvoir jouer le réacteur arc. Donc en fait, oui, tu avais les cartes pour dans tous les cas. Donc vas-y, je te laisse poser le réacteur arc sur le plateau. Et tu vas défausser deux cartes. Je te conseillerais de défausser le fameux contre-espionnage et le multitâche. Et de garder l'endurance. Pourquoi garder l'endurance? L'endurance, c'est une carte qui te booste tes points de vie de plus 3, ce qui va être très utile parce que en tant que Tony Stark, tant que t'as pas une certaine pièce d'armure, t'es un peu faiblard. Ok. Et là, pour finir ton tour, tu pourrais par exemple passer en héros, mais le problème c'est que si tu passes en héros avec seulement deux améliorations sur le terrain, tu n'aurais que trois de taille de main derrière et donc tu aurais une main ridicule. Donc c'est peut-être pas encore le moment. Par contre, tu peux complètement utiliser l'agent Coulson pour contrer, donc ça l'incline, afin de gérer la manigance principale. Eh ben écoute, on va faire Tu ça. Qu'est-ce que l'inclines. t'en penses, Groot? Sans doute pas. Je pense que Groot serait Bon, d'accord. il serait d'accord s'il était Il a pas répondu. oui, je suis Hein. d'accord. Et donc, Coulson contre 2-2, donc la manigance principale descend de 2. C'est aussi simple que ça. Par contre, comme je Ok. l'avais dit, vu qu'il y a une petite étoile sous ses valeurs de contre et d'attaque, dès qu'il s'en sert, il se prend un dégât. Donc, on va lui mettre un petit compteur de dégâts sur lui. Et évidemment, au Très bout bien. de 3, il meurt. Grosso modo, les Ok. alliés dans le jeu, ce que tu essaies de faire, c'est que tu les utilises jusqu'à ce qu'il leur reste un point de vie. Et quand ils ont un point de vie, tu les fais défendre une attaque ennemie. Comme ça, de toute façon, ils prennent des dégâts et toi, tu prends pas ce qui reste en plus. Donc voilà. Ok. Sauf un certain mot-clé. Bon conseil. Donc voilà, vous avez fini votre tour de joueur, tous les deux. Donc, comme c'est écrit, mettre fin à votre tour. Donc, après que tous les joueurs ont terminé leur tour simultanément, tous les joueurs défaussent n'importe quel nombre de leurs cartes de leur main. Donc toi, Vianney, c'est pas la peine, et toi, Groot, je te laisse décider. Et piochent Non, c'est jusqu'à bon. atteindre leur taille de main.
Donc c'est là que la taille de main est importante. Donc Groot, qui est en forme de héros ce coup-ci, lui va piocher jusqu'à 5 cartes. Et Tony Stark, lui, va remonter à 6. Il faut encore qu'il se prépare un peu avant d'être tranquille. Très bien. À la suite de ça, tout le monde redresse ses cartes inclinées. Et enfin, on va pouvoir se taper la face du méchant. Premièrement, qu'est-ce qu'il fait? Il va placer de la menace sur la manigance principale. Donc on regarde la manigance principale qui est personne ne passe. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a un petit plus 1 par personne. Donc elle va monter de 2. Ça, c'est automatique, dans tous les cas. Et en plus de ça, on rajoute un jeton retard à côté. Je rappelle, au bout de 5, il y a des cartes qui vont devenir plus puissantes dans le deck du méchant. Ensuite, le joueur, il va s'activer. Et quand il s'active, il va faire une chose différente selon si jamais vous êtes en forme de héros ou d'alter ego. On va commencer par le premier joueur, Groot. L'homme absorbant t'attaque à 2 d'attaque. Il va aussi prendre une carte face cachée. Et cette carte face cachée va avoir un nombre d'icônes en bas à droite qui va augmenter sa valeur d'attaque, selon le nombre d'icônes qu'il y a dessus. Et je décide de me défendre. Oui, tu as bien raison, je pense. Donc Groot va décider de défendre cette attaque. On décide de défendre avant de voir la carte qui va booster l'attaque du méchant. Donc Groot va prendre 3 dégâts de moins. L'attaque de l'homme absorbant est à 2 plus 1. Vous voyez la petite icône de boost qui est en bas à droite. Donc l'attaque est à 3. Groot a défendu de 3. Groot ne prend aucun dégât. C'est parfait. Sachant que si jamais il avait pris des dégâts, sa capacité d'interruption forcée aurait fonctionné et en fait il aurait perdu autant de jetons de croissance que de dégâts qu'il prenait pour justement prévenir ses dégâts. Donc Groot c'est vraiment un personnage qui défend très très bien, mais le problème c'est que si jamais vous servez de vos jetons de croissance pour pas prendre de dégâts, bah vos cartes qui s'en servent derrière seront beaucoup moins efficaces. Donc ça c'était pour notre ami Keycord. Maintenant l'homme absorbant va s'occuper de toi Vianney. Mais toi tu es pas en forme d'héros. Il sait pas où tu es, tu n'es pas en train de le combattre, toi tu es en train de construire ton armure dans le garage. Du coup il est tranquille et il va du coup manigancer. Donc, même principe, on regarde sa valeur de manigance, elle est à 1, on prend une carte à côté, on la révèle, et on voit qu'il y a une icône de boost en bas à droite, donc il va manigancer un total de 2. Donc il va avancer la manigance principale de 2. Jusque-là, ça va? Oui, Ok. très bien. Et la partie la plus compliquée du jeu, c'est que maintenant on va avoir des cartes rencontres. Donc on distribue les cartes rencontres aux joueurs, dans l'ordre premier joueur, deuxième joueur. Et chacun vos tours, vous allez révéler la carte rencontre et faire ce qui est écrit dessus. Donc vas-y, Gikorn, tu peux révéler la tienne. Épine perçante. Une fois révélée, défaussez une carte prise au hasard dans ta main. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le bon vieux D6. Alors c'est dans Object, Components, Dice, Plastique. C'est en train de bugger. D6. Voilà. J'ai mis un petit D6 à table. Ou alors, ah non, on va faire un truc plus drôle, parce que toi, Vianney, tu vois pas les cartes de Keycorn. Ah, si elles sont dans sa main, si, mais s'il les met sur la table, non, je les verrai plus. Ouais, mais là, dans sa main, tu les vois? Oui. D'accord, ok, Mais donc, c'est marrant qu'il s'est fait ça. Eh tu relances. ben, je vais faire tourner le dé si tu veux. Moi, tu veux le faire toi, Keycorn? Comme tu veux. Vas-y, fais le dé, puis Bah, si ça fait un 6, on lance, puisque j'en ai que exactement. 5. 1, donc c'est la carte la plus à gauche, c'est I am Groot qui est défaussée. Ouais. S'il avait le trébois, t'aurais en plus dû défausser une carte que tu contrôlais, mais fort heureusement, il a le trait métal. Donc voilà, la carte a été résolue pour toi. À ton tour, Vianney. Ah, tu as une recrue d'Hydra qui vient face à toi. Donc c'est un ennemi avec 2 points de vie. Quand le méchant va attaquer ou manigancer, après lui, c'est tous les sbires qui le font. Donc si jamais tu le laisses en vie, il va attaquer ou manigancer selon ta forme. Et il a le mot-clé incitation 1, ce qui veut dire qu'on place une menace sur la manigance principale quand il est révélé. Donc là, on a fait la phase du méchant. On passe le pont premier joueur à l'autre joueur. Et on va pouvoir passer de nouveau à une phase de héros où vous allez jouer. Très bien. Donc, Alors, je peux... Vianney, c'est ton tour. Est-ce que tu veux encore que je te guide ou est-ce que ça va aller à ton avis? Je rappelle ton je but suis toujours parti. principal, Ouais. c'est poser des améliorations tech. Donc il faut Ouais, aller je peux chercher. pas avoir deux fois la même. Tu peux Déjà, complètement t'es avoir bien deux fois la même. Sauf si elle est unique. Mais c'est pas le Je cas. vais. Je vais Oui? m'occuper du sbire qui est contre toi, Vianney. Ok. Ah, ok. Très bien. Tu n'es pas obligé de t'en occuper, je m'en occupe à mon tour. Ok. Moi, je veux bien encore être accompagné, hein, parce que je pense que les Alors, gens pour ce tour-là, si dans tu veux, mais le... après, il faudra que tu te fasses avec tes propres ailes, si ça te va. Oui, bien sûr. Mais je peux faire des autres parties où je violerai de mes Oui, bien propres sûr. ailes.
Enfin, de mes propres réacteurs en l'occurrence. Alors, encore une fois, premier réflexe, t'as la capa de Tony Stark qui permet de creuser ton deck pour choper tes techs, et c'est vraiment important. Au plus t'en joues vite, au mieux t'es. Ah, dommage, il n'y a pas de tech. Alors, t'as le choix entre des attaques, sachant que dans ce jeu-là, il faut d'abord se mettre en place avant d'essayer de descendre les points de vie de l'ennemi, la plupart du temps en tout cas, parce que si tu passes l'ennemi en phase 2, bah, il est plus puissant, et toi, si t'es pas en place, bah, tu vas être dans la mouise. Donc D'accord. là, en somme, les cartes, c'est un peu comme tu le sens, sachant qu'il y a deux attaques et une amélioration qui va augmenter ta rec, donc le fait de pouvoir récupérer des points de vie, qui est très intéressante aussi. Donc à toi de voir. Au pire des cas, ça fera une carte qui te permettra de payer des trucs notamment ce tour-ci. C'est l'avantage de jeu, c'est que quelle que soit la carte que tu as en main, bah, au pire, elle sert de ressource pour payer une autre carte. Donc il n'y a pas de carte morte en fait. Prendre le l'amélioration. Ok. Eh bien, prends le temps mort et les autres vont dans la fosse. Je pense que c'est le bon choix. Merci, patron. À partir de là, il faut que déjà que tu essaies de jouer la tech que tu as en main. Même si c'est la même, c'est pas grave. Le but vraiment, c'est de monter ton nombre de tech le plus vite possible afin de pouvoir passer un point héros et de faire un peu des trucs. Il faut que je paye juste un. Exactement. Je pense que je vais. Alors, Je vais l'instinct j'ai héroïque, utilisé. je te conseille de la garder parce que avec le réacteur arc, tu peux te redresser. Du coup, tu pourrais contrer deux fois d'affilée dans le tour à trois grâce à l'instinct héroïque. Et ça, c'est très très fort comme combo. Attends, un contrôle, c'est ça, CTR? Un en contre, tout à fait. En fait, de Un en base, regarde, je vais contre. te montrer. Mais de base, Tony Stark, il a 2 en contre, ce qui est sa meilleure valeur. Donc en fait, de base, Tony Stark, enfin Iron Man, il a envie de contrer, en général. Donc monter son contre à 3 pour t'en servir 2 fois par tour avec le réacteur arc, c'est très fort. Ouais, je comprends. Donc je garde. Weakan en allié. Après que Weakan a contré, défausser la carte au-dessus du deck rencontre. Pour chaque icône boost, ainsi défausser, infliger 1 à un ennemi. C'est plutôt costaud, ça. Évidemment, dans le chat, si vous avez des conseils à donner à Vianney sur la carte qu'il devrait utiliser, n'hésitez pas. C'est cumulatif encore les points de vie, si Tout à fait, si tu joues endurance, tu veux l'endurance. encore plus monter en points de vie, et plus la botte, et plus tout ça. Ok. Et le génie, c'est juste une carte de pour avoir C'est des une carte qui vaut ressources. 2 ressources, tout à fait. Donc tu peux payer une carte Est-ce à qu'on 2 peut grâce à ça. jouer celle-là pour jouer deux cartes, par Et non, exemple? malheureusement. Quand tu joues tes cartes de ressources, c'est pour la carte en question. Bon, je vais plutôt du coup consommer le rayon répulsif. C'est le meilleur choix à mes yeux. Parce que tu comptais pas forcément attaquer ce tour-ci. C'est ça. Donc, la Donc deuxième elles attaque, arrivent à c'est. redresser. Tout à fait. Là, pour l'instant, de toute Donc façon, c'est avoir le bien. trait aérien ne sert pas à grand-chose. Par contre, tu as le point de vie supplémentaire dès maintenant. En Juste un effet. conseil, ça arrive rarement, mais on ne sait jamais. Si jamais tu perds l'attachement, tu perds aussi le point de vie de max et donc tu perds un point de vie directement. Très bien, Imagine, ok. t'es à un point de vie et tu perds une botte, et bah, t'es mort. Ouais, c'est moche. C'est moche. Est-ce que je peux du coup jouer. Donc en fait, en termes de type de carte, je peux encore jouer d'autres améliorations, Ah, même si elles sont complètement. pas tech. Ah oui, complètement. Tu peux jouer autant d'améliorations que tu veux, clairement. Et c'est même conseillé. Et En est-ce qu'il soi, y a t'as pas moyen de d'ennemis. perdre des cartes amélioration que tu as Ça jouées? peut arriver, mais en général, tu les choisis, ou alors c'est des règles spécifiques, c'est via les trucs du méchant, mais c'est assez rare. Elles sont D'accord, plus en donc. sécurité en jeu que dans ta main, très clairement. Surtout que, Je imaginons confirme. là, si on te demande de défausser une amélioration, bah tu défausses une botte, quoi. Oui. J'ai bien envie de mettre en jeu l'instinct Je héroïque. pense que c'est un très bon choix. Donc ça se met avec les équipements, enfin avec toutes les Ah bah, améliorations, tu mets tout là-haut, il j'imagine. n'y a pas de souci. Et Après, si tu veux là. classer les équipements, les trucs et tout, tu peux faire ta sauce, hein, il n'y a pas de problème. Et donc là, il faut payer pour 2. Donc tu peux payer Donc avec du coup, génie ou avec j'allais tech. payer avec le Ouais, génie. parfait, très bien. Et ensuite, Très là, il bien. y a un petit choix à faire. Tout est viable entre jouer endurance, jouer temps mort ou jouer weekend. Tout est viable. Je préfère jouer Weekend. Ok, eh bien vas-y. Petite info au cas où, tu es limité à 3 alliés en jeu à la fois. Voilà. D'accord. Et donc je peux en mettre un nouveau en jeu, mais il faut que j'en défausse un avant de le faire. Exactement. Mais là, tu peux monter à 3, donc tu as encore de la place. Et là, du coup, l'avantage, c'est que tes alliés peuvent encore une fois agir ce tour-ci. Donc là par exemple, je vais pouvoir utiliser les deux. Tout à fait.
Coulson, que va-t-il faire? Il va contrer ou il va attaquer? Ben, comme I am Groot m'a dit qu'il allait gérer la recrue d'Hydra que j'avais devant moi, je pense qu'il va plutôt gérer. Ok, donc il va contrer à 2, donc on va enlever 2 à la manigance principale. Ce qui est bien parce que je rappelle, t'as un deck justice, les cartes jaunes, et t'es là pour ça. Donc c'est plutôt un choix Judicieux. intéressant. Et Weekend, que va faire on va Weekend? faire, on peut, je peux faire la même. Alors oui, sachant que sa capacité fonctionne que s'il contre. Oui, mais C'est pour dire, parce qu'il y a des gens en fait, ils pensent que quand t'attaques, ça marche aussi, mais ce n'est pas le cas. Donc, oui, je te laisse aussi mettre un dégât sur Coulson parce qu'il vient d'agir. Et donc, Weekend va contrer un 1. Et on va regarder tout de suite la carte qui est défaussée du deck de rencontre. Elle a deux icônes de boost. Donc, il va pouvoir mettre deux dégâts. Enfin, deux fois un dégât à un ennemi. Donc, à qui vas-tu mettre ces dégâts? Et oui, comme dit le chat, yes, Weekend. Je suis sur le même tendance que je vais me. Enfin, tu vois, comme j'ai une carte qui fait que si je tue le sbire, je vais avoir un jeton croissance en plus. Donc c'est plus intéressant pour moi. Donc c'est Donc, vaut mieux de homme mettre ça dans une. absorbant alors. Ok. Eh bien, il prend 2. Allez, C'est mis. Eh bien, écoute, c'est un viens. tour rondement mené parce que tu n'as plus de carte en main. Et en général, les tours où tu n'as plus de carte en main, c'est les tours qui sont cool parce que tu as vraiment bien fait un bon gros tour, quoi. Très bien. Là, je Donc, reste plutôt Anthony Stark, plutôt je encore. pense qu'il vaut mieux parce que tu es à 3 améliorations texte, qui te ferait une taille de main de 4 et c'est encore un peu bas. Avec une de plus, Très tu peux commencer à monter, je pense. Mais à 4, c'est bien. Hulk, quoi. C'est pas ouf. Ok. Ouais. Et on passe au tour de Keycord. Alors, premier tour, je vais utiliser ces deux ressources Oui. pour faire cette attaque, pour mettre en fait 5 points de dégâts au sbire d'Hydra Tout à fait. et faire ce que j'ai dit, gagner un jeton de croissance puisque je l'ai tué. Très bien. Et bien dans ce cas-là, le sbire d'Hydra est mort et tu récupères bien un jeton de croissance qui te fait monter à 5, ce qui est très cool. Et enfin, je vais utiliser l'héliporteur pour payer ma dernière carte, pour la sortir gratuitement. Ouais. Voilà, celle-ci. Donc elle coûte 0 et on s'appelle Groot. Tu peux retirer jusqu'à 4 jetons de croissance pour donner autant de jetons de cartes d'état tenace à des amis. Donc là, je vais en retirer que deux. Est-ce que j'ai intérêt à le mettre sur... J'ai intérêt à protéger tes alliés. Oui, quand même. Je vais protéger, je vais utiliser 4 pour me protéger tous mes deux héros D'accord. plus les deux alliés Eh ben, de. ça va faire pas mal de jetons tenaces tout ça. Donc, à quoi servent les jetons tenaces? Ouh, ils sont énormes. Il y en a pas les plus petits. J'aime bien la réaction. Oula, c'est grand ça. Ah, ouais, mais c'est. J'avais pas souvenu qu'il était aussi gros la dernière fois que j'ai joué. Paf! Hop là, sur Tony Stark. À quoi servent les jetons tenaces? La prochaine fois qu'un personnage qui a un jeton tenace doit prendre des dégâts, on enlève le jeton tenace à la place. Donc, c'est Déclare. extrêmement efficace pour se protéger des attaques ou des dégâts random qui peuvent nous tomber dessus. Donc là, par Et exemple, donc. tu pourrais utiliser tes alliés pour défendre les attaques si tu étais en mode héros et ils prendraient rien du tout. Et toi non plus. Donc je. C'est un gros tour de Donc. Groot là qui se met en code en mode ouais, vraiment protection. Voilà. Et je déclare la fin du tour. Et Ok. donc on peut redresser nos cartes. Exactement. Vous pouvez refaire votre main jusqu'au maximum de vos tailles de main. Ah d'ailleurs, tu veux pas passer en alter ego pour faire des gestions de croissance? Ah si, on marque, ouais, si, c'est ce que je... Ouais. Hop, voilà. Vraiment, le Groot, la meilleure façon d'utiliser, c'est de switch à chaque tour pour vraiment à chaque tour faire des jetons de croissance. Là, même si la manigance monte un peu, bon, vous avez encore de la marge, je pense. Est-ce que tu as eu des techs, très cher Vianney? Ah non, t'as pas eu de tech. Ah là là, elle va pas venir. Par contre, tu as des très bonnes cartes d'amélioration dans ta main. Alors que j'ai un petit lag, j'espère que vous m'entendez encore et que le chat m'entend encore. Ok. Ça a l'air de marcher depuis mon téléphone. Non, ça marche pas des masses. Alors si vous m'entendez. Un Ah, truc qui est ça y est, t'entends c'est plus, bon. Ok, que c'est t'as. bon. Et j'ai l'impression que le live. Ah, c'est Oui, bon? en fait, bah, c'est les problèmes de live que j'ai, c'est-à-dire que des fois mon PC il est en mode je galère et du coup il y a un petit freeze. Mais c'est revenu, tout va bien. Voilà, donc vous inquiétez pas, c'était l'instant pub et on revient dans la partie. C'est exactement ça. Et donc je disais, oui, Vianney, je vois que t'as pas eu d'amélioration tech, elles ne le rendent pas venir, mais par contre, tu as de très bonnes cartes de gestion de ressources. Donc ça va être sympa, tu vas pouvoir te mettre en place. Ok, face du méchant. Avant toute chose, comme d'habitude, il y a la manigance principale qui monte de 2 et qui prend un petit jeton retard. Il y en a 2.
Ensuite, le méchant va agir. Donc, premièrement, face à notre ami Vianney qui est en Tony Stark, il va manigancer à 1, plus la carte. Il manigance à seulement 1. Ah, les cartes sont pas très bien en ce moment. Face à notre ami Groot, qui corne, il va aussi manigancer vu qu'il est en alter ego. Donc, encore une fois, il manigance à 1, plus 1. Et si jamais il avait le trait pierre ou bois, tu aurais été sonné. Mais fort heureusement, il a le trait métal. Très bien. Donc il manigance un total de 2. On est à 10 sur 24. Ça va encore. Et enfin, vous mangez des 4 rencontres. Alors d'abord la tienne. Oh, c'est une manigance annexe. Le pouvoir super absorbant. L'âme absorbant a tous les traits. Donc glace, métal, pierre et bois. Et c'est une manigance donc qui va être en plus. Qui va avoir 3 jetons dessus par personne. Donc un total. Ils sont où les jetons d'ailleurs? Ils sont là. Donc un total de 6. Ah, attention. Ça se déplace ou ça reste devant moi? Non, Non. non, ça va en haut, c'est un truc qui est sur vous deux. Autant les sbires, quand ils arrivent en jeu, ils s'engagent sur un joueur. Genre, c'est toi que je vais taper. Autant les manigances annexes, elles sont à côté du reste. Pas la peine de mettre des tokens, je m'en occupe, regarde, hop, c'est devenu un 5. C'est un effet d'environnement, donc ça affecte les deux joueurs en fait, c'est pour ça. C'est un peu l'idée. Donc là, actuellement, il a tous les traits. Donc c'est très dangereux parce que dès qu'il y a des cartes qui vont sortir, les effets supplémentaires liés aux traits vont proquer. Et donc, elle a 6 manigances dessus. Si elle tombe à 0, elle s'en va. D'accord. Donc ça va être sûrement le but de ton tour, c'est de gérer ça. Moi aussi, je vais faire ça aussi, hein. Ok. Ouais, bah oui, là, de toute façon, les manigances annexes, faut pas trop les laisser en jeu en général. Oui, désolé le chat, du coup, pour l'image, et etc., etc. Mais donc, c'est bon de savoir que le son est toujours là. Quand j'ai mes bugs. Et Kikorn, vas-y, tu peux aussi réveiller ta carte pour voir ce que c'est. Et tout à fait. Et donc, oh, grande surprise, et ben c'est encore une manigance. Terrible. Alors, c'est encore une manigance annexe. Je vais la mettre là-haut. Ah là, vous avez de la menace à enlever là. Il y a 4 Ouais, jetons en total, 2 par joueur. Et, oula, j'ai fait n'importe quoi. Hop là, hop là. Et surtout, une fois révélé, alors attends, on va mettre ça dans le bon sens. Une fois révélé, chaque joueur doit choisir soit dépenser une ressource énergie, donc une ressource jaune, soit subir 2 dégâts indirects. Les dégâts indirects, qu'est-ce que c'est? C'est des dégâts que tu peux répartir entre toi et tes alliés. moi, Donc, ce sera mon pas. Moi, j'ai pas le choix. toi, t'as pas le choix, mais t'as un jeton tenace. Oui, Donc, tu donc du prends coup, rien. bah, tenace. Ouais, donc le tenace s'en va par contre. Exactement. Et toi, du coup, à ton tour aussi, Vianney, tu peux choisir de répartir tes jetons. De toute façon, tenace va les enlever. Donc, mon petit conseil, c'est bah, autant tout mettre sur un personnage et du coup, le tenace enlève tout. Eh ben, on va enlever sur ce personnage-là. Ok. Très bien. Et donc, cette avalanche, en plus, vous voyez qu'elle a une icône. Ceci s'appelle une icône. Bah, je sais plus d'ailleurs. Mais grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que à chaque tour, la manigance va monter d'un point supplémentaire. Donc, pareil, même si D'accord. elle a déjà fait son effet, il faut la gérer. C'est toi qui as raison, Ketal. C'est de la manigance en plus. Ouais, Ok. j'ai juste plus le nom du truc. Ok, donc la phase du méchant est maintenant finie. Je vais remettre les cartes dans le bon ordre d'ailleurs, parce que c'est un peu embêtant ça. Voilà. On passe le premier joueur à Keycord. Et c'est parti pour le troisième tour. Eh bien, écoute, je vais déjà commencer par utiliser l'héliporteur pour C'est une réduire icône de 1, ce qui d'accélération. peut. Merci beaucoup, Manny. Ouais, c'est une accélération. Voilà. Donc ça, c'est une carte qui a deux ressources, tu vois, Vianney. Voilà, il y a deux icônes, donc c'est une carte qui rapporte deux. Comme le génie tout Et à j'en l'heure. dépense. Et donc ça fait 3. Donc, comme ça réduit de 1, je vais jouer Nick Fury tout de suite qui va arriver en jeu. Ah, ce bon vieux Nick Fury, que certains appellent encore Gandalf, mais... Et je vais enlever 4 manigances. Non, c'est C'est deux. ça, hein? C'est 2. Bah écoute, je vais enlever 2 manigances sur. Alors attends, Sur qu'est-ce qui va laquelle? être Sur plus. Avalanche, pouvoir sur repère absorbant ou la manigance principale? Je vais déjà enlever sur Avalanche. Ok, donc elle passe à 2. Hop là. Voilà. Donc en gros, Nick Fury, c'est un ennemi qui coûte très cher, qui a en plus un effet très fort d'entrée en jeu. Mais par contre, à la fin du round, si Nick Fury est encore en jeu, tu le défausses. Donc il reste là que pour un tour. Je vais ensuite utiliser à nouveau la capacité de Groot pour mettre 2 jetons. Ok. Je vais passer en héros. Ok. Je. Alors là, je vais faire quoi?
Alors déjà, Nick Fury, il va taper, il va enfin, contrer, Ok, il va pardon, bon contrer. Il terme. va contrer sur quoi? Pour terminer Avalanche. Ok, donc Avalanche tombe à 0 token. Je mets ça, Avalanche mais ça est n'a pas défaussé. d'importance. Voilà. Bien Ça, joué! c'est déjà fait. Et puis alors enlever un, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est discutable. Je vais peut-être plutôt donner un coup à. À l'homme absorbant. Vas-y, Ouais, je vais vieille faire ça. branche. Redonne un Nice one! égal à l'autre. Ok, tu tapes à 2 l'homme absorbant qui tombe à 22 points de vie. Ah, fais-moi le malin! Est-ce que tu as d'autres actions à faire? Ah oui, t'as un petit combo sympathique là qui va arriver. C'est à toi d'y aller. Tu joues rien d'autre? Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que je peux faire autre chose Ah, d'intéressant? pour moi, ouais. Ah si, je vais jouer pour deux. Ouais. Préparation. Donc, réponse immédiate. Après qu'un allié que vous contrôliez était vaincu. Ah merde, c'est vaincu, ça marche pas en fait pour Nick Fury. À moins qu'il me fasse une grosse attaque dessus. Quoique si, ça peut marcher, hein. Ah si, Je suis en s'il meurt héros. avec une grosse attaque, ouais, mais il va quand même partir à la fin du tour, quoi. Ouais, mais ça fera quand même un dégât Au pire, ça après sera pour un tout. futur allié. Ouais, je vais faire ça. Ok. Je vais faire ça quand. Je Ok, vais faire ok. ça. Ouais, tant pis. C'est pas exceptionnel, mais bon. C'est incroyable, moi je trouve ça génial. À toi. Et on passe au tour de Vianney. Ok. Alors, est-ce que tu arrives à t'en sortir ce tour-ci? Comment, pardon? Est-ce que tu arrives à t'en sortir, tu penses, ce tour-ci? Non. Soyons honnêtes. Donc, je pense que là, il faut gérer de la manigance. Parce Faut que de gérer la toute façon. manigance. Ce tour-ci, tu vas sûrement passer en héros pour pouvoir contrer, justement, pour gérer la manigance. Mais en effet, faire ta capacité en premier, c'est le bon réflexe. Putain, tes techs, elles sont au fond du deck, hein, c'est ouf! Ouais, c'est. Je devrais dire avec Enfin! les alliés. Alors, l'enquêteur chevronné est une très bonne carte, surtout qu'il y a des manigances annexes en jeu. Ouais. Quand tu les dégages, tu pioches une carte, du coup, c'est trop bien. En plus, même si c'est pas toi qui la dégage, ça marche quand même. En fait, je peux la piocher et en fait la mettre en jeu, elle est gratos. Exactement, t'as tout compris. Et hop, War Machine, ça dégage. Hop. Alors, mon petit conseil, ce tour-ci, ce serait d'essayer de jouer Pepper Potts, parce que Pepper Potts, quand tu l'inclines, tu génères les ressources, pardon, de la carte du dessus de ta pile de défausse. Grosso modo, tu génères une ou deux ressources si tu viens de jouer un génie ou un truc comme ça. Gros, c'est de l'économie. Et de l'économie, c'est bien, ça te permettra de jouer plus de cartes les tours d'après. Ok, mais elle coûte 3 quand même. Elle coûte 3. Mais bon, c'est le conseil du maître, donc je vais Tout à fait. l'écouter. Donc, Pepper. En fait, tu risques C'est lui. d'avoir toutes tes améliorations qui vont tomber en même temps. Et le problème dans le jeu, bah, c'est que quand t'as que des améliorations en main, bah, tu t'en sers pour payer les autres améliorations, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc autant essayer dès maintenant de mettre un peu de thunasse et de jouer aussi potentiellement la tour Stark derrière. Comme ça, si jamais t'as une main avec 4 améliorations, bah, tu pourras faire un truc correct quand même. Et du coup, ouais. Donc là, tu Ouais, joues c'est Pepper dommage que j'ai Potts. pas de cas. Comment, pardon? Là, je dis, là, Faut tu que je viens de jouer paye Pepper 3. Potts. Faut que tu payes 3. Donc, je te conseille d'essayer de garder la tour Stark. Garder la tour Stark. Ouais. Tu vas la jouer juste après, en fait. Mais j'aurais pas assez. Ah si, Si. avec Pepper. Exactement. Et Donc là, donc, j'ai payé. Donc là, voilà. j'incline. T'inclines Pepper, tu génères une ressource. Tu défausses pour la justice et ça fait 2. Et donc, comme Incroyable. ça, derrière, tu pourras de temps en temps utiliser une amélioration tech pas très importante juste pour la défausser, pour ensuite la récupérer avec la tour Stark et la redéfausser. Et à chaque tour, comme ça te fait une ressource en plus. Ok. Ça peut être sympa. Créer une sorte de petit moteur. C'est ça. Là, tu as joué vraiment de l'économie pour te mettre bien pour les prochains tours. Ok. Est-ce que j'ai moyen de faire un peu de contre, Alors, quitte si à perdre. Wilson contre, il va perdre sa carte tenace, mais il restera en vie. Donc ça peut valoir le coup. Déjà, moi je te conseille de passer en héros ce tour-ci. Ah Même bon? si jamais t'as peu D'accord. de tech, en passant en héros, tu vas pouvoir faire énormément de contres. Et là, mine de rien, il commence à y avoir pas mal de contres à faire en fait. Il faudrait essayer de se débarrasser du pouvoir super absorbant parce qu'il peut être très gênant. Donc là, Tu deviens un one man. Ta taille de main est actuellement à 3, 4, pardon.
Ouais. pour la fin du tour. Mais par contre, tu as 3 de contre, ce qui est énorme. J'ai 3 de contre parce que Parce que j'ai tu as l'instinct héroïque. l'instinct héroïque. Ouais, tout à fait. Donc, là, je peux me lancer dans Tu une petite phase t'inclines, de contre. tu comptes à 3, hop là, ça passe, hop là, à 3. Ah pardon, je n'ai pas demandé, mais j'imagine que tu faisais sous la manigance annexe du coup. Oui, tout à fait, Ok. exactement. Et là, normalement, tu peux faire un petit truc sympathique. Voilà, c'est le prochain. Maxime. Avec un certain réacteur arc. Oui, donc j'incline le réacteur arc qui Qui me te permet de redresse. redresser Et Iron et bam! je refais Et regarde. double contre. Double contre, j'imagine que tu refais sur la même. Oui. Et l'avantage, c'est que vu que tu viens de gérer une manigance annexe, tu as une carte qui peut se trigger. Et oui, c'est celle-là. Là, Le je peux piéteur se piocher une dégaine. carte. Exactement. En fin de tour, c'est pas super utile parce que de toute façon, tu vas refaire ta main dans 2 secondes. Ah putain, le casque arrive maintenant et t'as pas de ressources pour le poser, c'est d'une tristesse. C'est tellement dommage. Et non, la tour Stark, c'est l'inverse. T'aurais pu te défausser la casse pour jouer autre chose et le récupérer via la tour Stark. Mais bon, au moins, tu sais qu'au prochain tour, t'as des améliorations qui arrivent. Ouais, je peux encore jouer mes alliés, Tu peux si besoin. complètement encore jouer tes alliés si besoin. Et c'est même conseillé. Weekend, si je lui dis d'attaquer, elle Bah, s'il survivra. attaque, il survivra, mais il prendra un point de vie quand même. Alors Je que si conseille de. jamais tu fais la capacité de contre, il va aussi Je faire vais des les dégâts, garder. mais en plus contrer 1. Je vais les garder en fonction de ce qui va nous arriver en menace. Ok. Sachant que là, la Sais pas ce manigance que t'en principale penses, était à Groot. 10. Là, l'avantage, c'est que la manigance principale est à 10, mais elle va peu Groot. monter parce que vous êtes tous les deux en héros. Donc il va Ouais. vous attaquer tous les deux. En fait, Du faut coup, pour toujours. attaquer, je préfère contrer avec mes alliés, en fait. C'est ça. Eh ben, Donc, si c'est la fin arrêtons du là, alors. tour, vous pouvez refaire votre taille de main, redresser toutes vos cartes. Je rappelle aussi, Du au coup, cas là, où, je qu'à ce pioche que moment-là, 3, du coup. vous pouvez aussi choisir de défausser des cartes de votre main, mais bon, toi, t'as tellement pas envie, mon cher Vianney. Oh, non. Ah, Donc, on est qu'est-ce que d'accord, je je suis à disais? 4, hein. Qu'est-ce que je disais? Tu vois, c'était bien de mettre tous tes moteurs économiques, parce que là, t'as que tes techs en main. C'est clair. Ah, c'est important de préciser pour ceux qui regardent le stream que Ketal a construit ses decks hein, aussi. Tout à fait. J'ai construit les deux decks. Alors j'avais pas trop prévu, enfin j'avais pas trop anticipé le fait que ces deux decks qui demandent un peu de mise en place. Mais Groot, il demande moins de mise en place que Iron Man, donc ça va. Ça passe quand même. Et surtout, vous jouez un personnage sympathique avec des mécaniques un peu coolos, mais surtout qui n'est pas très puissant en standard. Donc ça vous permet vraiment de vous mettre en place tranquille et de vous faire la main. Je vais vous mettre là dans quelques instants dans le chat le lien des decks si vous voulez les consulter. Ah, c'est une bonne idée. Alors, du coup, C'est nous avons la phase du Iron méchant. Man. Ah, attends, les liens sont interdits. C'est vrai, il y a le bot qui dit non. Ah, d'accord. On a un bot qui dit Ouais. non pour les liens, j'avais oublié, faut qu'on change ça. Ouais. Et ben vous ne le verrez pas. Venez On sur le met. Discord. Venez sur le Discord d'Entre Jeux Exactement. Studio. Venez sur le Discord d'Entre Jeux Studio. On Donc, vous je les peux mettra plus mettre le tard. lien normalement, vu que c'est pas un lien HTTPS ou HTTP. En tout cas, la phase du méchant. Premièrement, la manigance monte de 2 comme à chaque tour depuis tout à l'heure. Il y a un petit jeton retard qui se rajoute. Ils vont commencer à s'accumuler, il faut faire attention, on est à 3. Ça, de toute façon, tu ne peux pas les enlever. Sachant que ça, c'est un personnage qui, en temps normal, est dans la campagne de Crâne Rouge. Et ces jetons retard, en plus de t'embêter sur ce scénario-là, vont aussi influer normalement dans la campagne sur un autre scénario. Plus tu perds du temps face à l'emmerdement, plus ça va être compliqué pour un autre scénario. Mais j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont pas encore fait. On sait jamais. La manigance a monté, maintenant l'homme absorbant va donc s'activer contre vous deux. D'abord contre Groot, il va t'attaquer donc à 2 avec une carte boost. Est-ce que tu Et défends ou pas? je défends, mais avec Nick Fury. Alors en fait, j'ai réfléchi, mais. Puis dans le chat, on l'a dit aussi derrière. Mais en fait, au pire, réponse immédiate, tu pourras t'en. Ah, faut pas révéler tout de suite. Ben, tu Ah sais si, pas. tu me diras, il a dit qu'il défendait avec Nick Fury, donc on peut y aller. C'est une carte qui a une icône de boost, donc c'est une attaque qui met 3. Nick Fury se prend 3 et donc va décéder, mais. Est-ce que tu fais réponse immédiate, comme ça il va refaire son effet d'entrée en jeu? Est-ce que ça t'intéresse ou pas? Oui, je le fais, bien sûr. Ok. Donc tu défausses réponse immédiate, il revient en jeu avec un dégât sur lui. Et donc tu peux faire son effet qui est soit de retirer deux menaces, soit de piocher trois cartes, soit de mettre quatre dégâts à un ennemi.
Et je vais mettre 4 dégâts. Ah, quoique. Quoique, quoique. Moi, je ne Piocher dis 3 rien, cartes. je jugerai après que tu aies fait ton choix. Je pioche 3 cartes. Ouais, je pense que c'est clairement le meilleur choix. Tellement fort. En Ouais. plus que t'as pioché, putain, ouais, tellement fort. Sachant que vu qu'ils viendront revenir en jeu, il est debout. Donc au cas où, il pourrait défendre une attaque supplémentaire qui pourrait arriver. C'est toujours cool. Hop, c'est bon. Ensuite, il va attaquer Iron Man. Il va attaquer donc à deux avec une carte boost, encore une fois. Qu'est-ce que Iron Man va faire? Alors, s'incliner pour défendre veut juste dire que tu vas prendre un dégât de moins parce que t'as que un en défense. Sachant que de base, t'as un jeton tenace qui fait que tu prends 0 dégâts. Tu pourrais décider de ne pas défendre, mais si tu ne défends pas, il y a l'usine abandonnée qui va te faire défausser une carte. J'ai pas envie. Donc, tu as deux choix. Soit tu défends avec Iron Man, tu t'inclines juste pour faire ça, soit tu pourrais décider de défendre avec Coulson, qui lui aussi a un jeton tenace. Non. Et qui ne Bien prendrait donc vu. rien. Allez. Donc, Coulson s'incline, le jeton Ouais. tenace s'en va, parce qu'il va prendre un total de 3 points de dégâts. Mais au moins, t'es tranquille, et l'attaque a été défendue, donc l'usine abandonnée ne se fait pas. Ça veut Ok. dire que Coulson ne pourra pas être utilisé le tour prochain, Exactement. puisqu'il a été engagé. Parce qu'il fait dodo. Alors que toi, tu pourras contrer allègrement à 3, te redresser et recontrer le tour prochain pour bien gérer la manigance principale. Fait. On va mettre les deux cartes rencontre face à vous et on va commencer par celle de Kikorn. Vas-y. Allez, qu'est-ce qu'il me réserve? Ah, un nouvel environnement. Donc en gros, en fait, les environnements, quand il y en a un qui arrive, ça remplace l'ancien. Et ça a renfort. Ce renfort veut dire qu'on va piocher une autre carte pour Kikorn. Le nouvel environnement, c'est un environnement pierre, et dans le même principe de si tu défends pas l'attaque, ça soigne l'homme absorbant. C'est le moins pire. Ça fait perdre un peu de temps, mais c'est pas si grave. Par contre, vu que ça a renfort, on va donner une nouvelle carte à Kikorn qui va la faire immédiatement. Ah, bah une recrue d'Hydra, la même que tout à l'heure, avec incitation 1, donc la manigance principale monte de 1. Donc voilà, il y a un petit sbire en face de notre ami Kikorn. Et maintenant, Vianney, qu'est-ce que t'as toi? Flétrissement. Tu vas donc devoir la donner au joueur Groot. C'est écrit dessus. Donc on va la donner à Groot. C'est Et pas très gentil. Groot, tu peux J'ai pas passer sous ton choisi, alter hein. ego. Et soit tu t'inclines en alter ego, soit tu retires 3 jetons de croissance. Et ben je m'incline en alter ego et Et comme ça, l'obligation, elle est pas défaussée, elle est retirée de la partie. Regardez, je la mets très loin là-bas. quelque chose que je n'aurais pas. Salut Marco! Ah, Dans le Nick chat. Fury, Salut Marco. j'ai dit, mais Nick Fury s'en va à la fin du tour, donc je l'enlève. Tout à fait. Bah en fait, il n'est pas encore parti là. Oui, non, mais encore dans ce Enfin, cas, là maintenant, on effectivement, arrive à la fin d'accord. du tour en effet, donc il part, mais c'était bien de le garder. Ok, il y avait une attaque, il aurait pu défendre encore une fois. Et là, on a fini. Fin du tour du méchant. On passe le premier joueur à Vianney. Et on est parti pour la phase de héros. Alors, j'ai peu de cartes, mais il y a plein de T'as peu trucs de que j'ai envie cartes. de poser. Alors en fait, t'as Donc tout envie là. de poser, parce que même le Queen Porter, c'est méga fort. Bah ouais. J'ai quand même envie de mettre l'armure hein, qui elle coûte 3. En vrai, je pense que c'est peut-être la moins intéressante, parce qu'en fait, Ah t'es bon? déjà à 11 PV, et a priori, t'as de quoi défendre les prochains tours qui arrivent. T'as un jeton tenace, t'as des alliés à table qui pourront encaisser les patates. Vu que ça coûte très cher. Une amélioration, mieux vaut jouer plusieurs petites pour augmenter ta taille de main et peut-être rester en Iron Man Forever derrière. Qu'en penses-tu? Je pense que si tu me le dis, c'est forcément une bonne idée. Non, mais je veux avoir ton avis aussi. Toi, qu'est-ce qui te donnait envie dans les plus 6 points de vie? C'est vraiment te dire, bon, bah c'est bon, je suis intuable, c'est ça? Non, pas intuable, mais je me disais que c'est toujours mieux d'avoir des PV quand tu sais pas trop ce qui peut t'arriver dans la tronche. Je connais pas le scénar, donc je sais pas ce qui. Ouais, Enfin, non, mais le. je comprends. En fait, là, ce qu'il faut se dire, c'est que. En jouant l'armure, tu vas passer ton tour à faire ça et augmenter ta taille de main de 1. Alors que si tu arrives à jouer le casque et les gantelets, bah au final, tu augmentes ta taille de main de 2. Et donc tu piocheras plus de cartes les tours d'après, etc. Ce sera plus simple. Sachant que l'armure, de toute façon, tu pourras la récupérer grâce à la tour Stark. Ah non, Ah alors non, je l'ai attention. pas là. Eh oui, tu l'as pas, tu es en Iron Man. Ah oui. Mais là, par exemple, Zut. tout simple, ce que tu peux faire, regarde. Tu vas jouer le casque en défaussant l'armure. Et je vais te laisser relire l'effet de la tour Stark. J'adore, il y en a un qui est hyper philosophique. Sérieux, je pense qu'à un moment, tu vas Alors, Stark. action d'alter ego. Ah putain, oui, faut que tu Incliné. repasseras en Iron Man pour faire ça, en Tony Stark pour faire ça, mais ouais.
Incliné à tour Stark, choisissez un joueur. Ce joueur envoie dans sa main l'amélioration tech la plus proche du dessus de sa pile de défausse. Donc en Ah. fait, là, ce tour-ci, avec Pepper Potts et le Queen Porter, tu peux jouer les gantelets, faire tout ce que tu as à faire en héros, et repasser en alter ego pour récupérer l'armure. Avec le porte-pot, je peux pas Pepper l'incliner deux Potts, fois. non, mais là, pour jouer le gantelet, ça coûte 2, donc Pepper Potts et le Queen Porter, tu peux jouer le gantelet. Et tant pis pour le Queen Porter, c'est pas grave. T'as largement la thune qu'il faut pour te mettre en place. Les fameux gantelets. Là, tu vois déjà, mine de rien, en termes d'amélioration tech, t'es à 5. Donc, c'est bien, t'as une taille de main de 6, ce qui est déjà supérieur à Groot, quand il est en forme de héros. Donc, déjà là, tu pourrais te dire, à partir de maintenant, je peux rester en Iron Man pour toujours. Mais en effet, tu D'accord, ok. peux. Mais après, là, la question, c'est est-ce que tu veux jouer du coup la grosse armure ou pas? Les plus 6 points de vie, auquel cas, faut que tu repasses en alter ego. C'est ton choix. Qu'est-ce que t'en penses, Groot? Bon, tu peux rester, hein, après. Moi, de toute façon, je vais rester en alter ego. Ben, je pense que si je peux faire descendre la manigance, c'est quand même bien, quoi. Bah là, de toute façon, dans tous les cas, tu peux faire toutes tes actions de héros avant de passer en alter ego. Hein. Tu peux faire tout ton tour, contrer deux Ah, d'accord. fois, etc. Et après passer en alter Tu ego. peux Tu aussi. fais tout dans l'ordre que tu veux. Ok. Donc, est-ce que tu décides justement de faire un peu du contre-1? Oui. Si je fais du coup ça. Ok, tu comptes à 3, la manigance principale, donc elle descend à C'est ça. 3. Ensuite. Ensuite, je vais. C'est l'armure, c'est le réacteur arc que tu cherches pour te redresser. Ok. Du coup, je la refais. Ok, tu redescends 3. Voilà, c'est bien géré là, tu vois. Là, c'est un bon Iron Man justice. Là, t'es bien en place. À partir de maintenant, ça va aller vite. Je peux aider Groot avec son Hydra, avec les gants, non? Avec les gants, il faudrait que tu puisses voler. Et pour ça, il faudrait Ouais, que tu mais je fais puisses. ça. Mais il faut Alors ça, mais défoncer, il faut mais je défoncer peux la pas le fourme faire. bleue. Exactement. Et en Ok, plus, c'est bon, une le. action de héros, donc tu pourrais pas passer en alter ego, récupérer l'armure, parce que je sais plus quelle ressource est là, et Et passer réduire en de 1 alter. son... pour une carte de la main, donc ça va sympa de toute façon. Ah, alors, Ouais, si jamais tu aurais fait l'héliporteur avant, il aurait pu garder le Queen Porter en main et l'utiliser pour déclencher ses bottes. Vu qu'on est sur une initiation, si vous voulez, on peut revenir en arrière et dire qu'on l'a fait comme ça. allez. Donc, imaginons qu'en fait, quand tu as joué ton gantelet, ben en fait, il coûtait moins 1, donc tu as ton Queen Porter en main. C'est ça. Si, vas-y, prends-le en main. Bah, je le prends, mais oui, Ouais. je le dépense, quoi. Mais tu vas le dépenser tout de suite avec les bottes fusées pour avoir le trait Donc aérien. je fais ça. Enfin, normalement, je défausse d'abord, ensuite Voilà. j'active. Et Et comme maintenant, ça, j'active le gantelet. tu fais les gantelets qui font 2 quand t'as le trait aérien. Et du coup, tu peux gérer la recrue d'Hydra. Ouf. Très bien joué. Maintenant, avec le casque. Bah, c'est toi qui nous l'as dit, hein. Incliner le casque, je peux retirer une menace d'une manigance. Tout à fait. Et si jamais il y avait plusieurs manigances, vu que t'as le trait aérien, t'aurais fait une de chaque. D'accord. Donc là, t'en as Et 6. voilà. Et là, t'as bien fait Donc ton le. tour. Tu peux te servir de Ouais. Weekend si t'en as envie. Il peut contrer un 1 et mettre quelques dégâts en absorbant, par exemple. Ok, donc il contre un 1 et on révèle une carte pour voir le nombre d'icônes de boost. Il y en a une, donc ça fait un dégât à l'âme absorbant. Et je prends du coup un dégât week-end, hein, par contre. Oui, tout à fait. Je te fais un Ouais. dégât dessus. Ah bah Ah bon. vas-y. Vas-y, vas-y. C'est mieux que tu fasses toi, ça te prend l'habitude. Et là, du coup, la grosse question, c'est, avant que tu redresses tout ça, c'est est-ce que tu passes en alter ego ou pas? Pour faire l'action. Pour faire l'action où je Pour pioche des récupérer, cartes. bah pour potentiellement creuser ton deck encore plus et surtout pour récupérer ton armure avec la tour Stark. Je crois que c'est un oui. Donc déjà tu Exactement. fais l'action d'Iron Man. Bah là tu vois par exemple, vu que la manigance tu la gères bien, prendre les deux, la ressource énergie qui vaut 2 pour jouer des grosses, genre la grosse armure ça peut être très bien. D'autant plus que tu as Pepper Potts qui peut la copier si jamais c'est la carte du dessus de ta défausse. Exactement. Donc Mais là, bah. j'ai même de quoi rejouer mon armure, en fait, là. Alors pas exactement, parce que là déjà tu fais l'action d'Iron de Tony Stark, donc tu vas prendre l'énergie en main.
Ouais, ça c'est clair. Voilà. Et ensuite, tu vas faire la tour Stark pour chercher dans ton Daddy Fosse la carte du dessus. Donc, on sait que c'est l'armure, tu peux la récupérer. Mais donc, tu n'auras que deux ressources pour jouer l'armure et non trois. Mais pour le prochain tour, tu es tranquille. Attention, je crois que t'as pas Oula, tout j'ai pris le tout le deck. deck. Ça aurait fait tout drôle dans ma main. J'avoue. Hop. Ça va être un sacré merdier à te remettre en plus. Ok. Donc voilà. Ok. Bah écoute, je pense que c'est un tour rondement mené. T'as bien réduit la manigance. Du coup, tu peux te permettre d'être en alter ego. Parce qu'en gros, le jeu, c'est un peu ça. Faut te mettre en alter ego que si la manigance principale est assez basse. Sinon, tu te mets en danger. Mais là, vous êtes tranquille. Tu l'as bien descendu à 5. Ça m'étonnerait qu'elle monte à 24 ce tour-ci. Vous êtes tranquille. Je vous laisse donc refaire votre taille de main maximale, redresser toutes vos cartes. Non, c'était à moi. C'est lui, Ah, c'est ah zut, t'étais Ironhack. premier joueur! Ah ouais, c'est vrai, t'as ton mortel ce temps-ci. Oh oui. Putain, j'avais. Excuse-moi, Keycord, j'avais complètement zappé, tellement l'habitude que ce soit le deuxième joueur, je sais pas pourquoi. Eh ben, vas-y, Allez, moi. Keycord, montre-nous ce que tu Et sais faire. deux. Et deux pour mettre un Iron Heart. Et qui arrive quand il arrive en jeu, en réponse, je pioche une carte. Tout à fait. C'est un allié très très fort, Iron Heart, pour son coup et le C'est fait très qu'elle soit neutre. pour deux. Un deuxième allié qui arrive. Squirrel Girl qui met un dégât à tous les ennemis en jeu quand elle rentre en jeu, y compris le méchant, donc il prend un dans sa tronche. C'est plutôt bien. Ensuite, je vais faire quoi? Peut-être te mettre des jetons croissance. Je vais payer, comme je vais rester en alter ego. Ça c'est bien, mais j'en ai pas besoin dans l'immédiat. L'intention de concentration, tu pourrais la jouer pour jouer le bouclier de branche derrière, c'est comme tu le sens. Ouais, déjà, je vais déjà avec les deux, je Ouais. vais attaquer l'homme absorbant, ça c'est Ok. sûr. Donc c'est deux attaques d'affilée. Il prend 2 fois 1. Voilà, donc ils Il ont tombe à joué. 18. Alors j'ai pas parce que bon, ils vont être redressés après, mais enfin ils vont s'incliner. Alors ce que je vais faire. Ouais, j'avais pas besoin plus que ça. Je vais faire ça et ça. Donc ça fera deux pour mettre ça. Ok. Voilà. Pour avoir pour protéger. Hop. Petite réponse immédiate. Donc, bah justement, c'est un peu combo avec le deck commandement en question parce que vu qu'ils jouent plein de petits alliés qui font des effets d'entrée de jeu, réponse immédiate les remet en jeu et donc ils refont leurs effets, etc. Donc, c'est assez sympathique. Est-ce que tu joues autre chose? Et je pense que je vais quand même passer en héros quand même. Ok. Tu feras gaffe, t'as pas encore fait la capacité pour te mettre des jetons de croissance. Oui, je vais te faire avant de partir. Hop, toc. Avant de changer. Là, j'en ai Là, t'es 5, 6, à 8. 8 8. sur 10. Tu commences à être bien là. Tes événements, ils vont commencer à mettre des sacrés claques. Je switch, du coup. Tu passes en héros, ok. Est-ce que tu joues autre chose du coup? Je vais finir ma main quand même. Je vais faire ça pour mettre la branche. Le bouclier de branche. Voilà, Qui c'est un tu... peu gâché, mais c'est tant pis. Non, non, mais c'est cool. Bouclier de branche, c'est très fort, hein. Et C'est ce qui te permet des fois d'éviter les grosses attaques. ce sera tout pour moi. Ok. Et donc le bouclier Cette de branche, fois-ci, pour c'est ceux tout. qui connaissent pas, en fait, ça lui permet de dépenser des jetons de croissance pour booster sa défense. Il en a des trucs comme ça pour chacune des caractéristiques. Ok, et bien donc, vous redressez toutes vos cartes. Ah, Kikorn, je vois que tu galères à incliner les cartes. Regarde en haut à droite le petit 15 degrés que tu dois avoir. Tu peux cliquer dessus pour le passer à 90. Comme ça, quand tu fais Ok. les trucs pour incliner, bah ça fait direct. Voilà. Avec les touches A et E. Exactement. Exact. Je savais pas, j'avais pas fait gaffe. Ok. Très bien, merci. Pas de souci. Et après je pioche 5 cartes. Exactement. Vous refaites votre taille de main maximale. Donc pour Tony Stark, c'est 6. Pour Groot, c'est 5 de mémoire. Et on passe à la phase du méchant. Phase du méchant, donc la manigance principale monte de 2. Ensuite, le méchant s'active. Tony Stark est en alter ego, donc il va manigancer pour un total de. Oh! On révèle cette carte avec l'icône de boost. N'oublie pas de rajouter un. Ah oui, un jeton de retard. Bien vu. Merci beaucoup. On est à 4. Et donc il va manigancer seulement à 1. Mais par contre, on met le chêne éboulé en jeu. Qu'est-ce que ça fait? C'est une amélioration qui lui donne plus 1 dans ses deux stats, plus 1 de compte et plus 1 d'attaque. Et il faut dépenser une ressource rouge, une ressource physique, pour mélanger cette carte dans le deck rencontre. Même pas on la défausse, on la remélange, quoi.
Assez terrible. Et donc ça tombe bien parce que justement c'était la manigance sur Vianney. Et maintenant il va venir taper Groot avec sa chaîne éboulée pour une attaque de 3 de base. Que fais-tu? Eh bien, écoute, je vais défendre avec Ironheart. Ok, donc elle s'incline au cas où. On a une carte de boost qui arrive, ce qui fait un total de 3 plus rien du tout. Parce que c'est une icône de boost, un étoile, qui dit que s'il y a au moins 5 jetons en retard sur la manigance principale, tu aurais subi un dégât indirect. Ce n'est pas le cas. Et donc, il meurt, mais je vais enclencher Réponse la réponse immédiate. immédiate. Elle revient en jeu avec un dégât sur elle. Et surtout, tu fais son effet de rentrer en jeu. Et je vais piocher une carte. Exactement. En s'attachant avec l'effet boost, ça booste pas de plus indirect. Ah, c'est une bonne question. Lequel boost tu C'est dis? une bonne question. En fait, est-ce que le chêne éboulé, quand il arrive sur la manigance de l'homme absorbant, est-ce que ça donne pas de plus 1 aussi à la manigance en cours? Dans le doute, on va dire que oui, parce que je pense que c'est une bonne interprétation. Oui. Je pense que oui Moi aussi. aussi, je peux. Oui, parce qu'elle se met en jeu directement. Donc, C'est ça. Et après, on fait la manigance. On compte combien il y a. Ok, et donc maintenant, les cartes en compte sur vous. Hop là, une chacun. Alors, la forêt dense du côté de Vianney. Donc, on va, parfait, il a compris, enlever l'ancienne et mettre la nouvelle. Sachant qu'elle a le mot qu'elle renfort, tu vas en avoir une nouvelle dans ta tronche. Et donc, la forêt, qu'est-ce qu'elle fait? Quand vous ne défendez pas, vous subissez un dégât indirect. Et deux, quand il y aura 5 jetons de retard. Et encore. Ah non, le soldat d'Hydra. Alors, lui, il est un peu plus vénère. Lui, il a 4 points de vie, il la garde, donc tant qu'il est en face de toi, Vianney, tu ne peux pas attaquer le méchant. Donc quand je dis tu ne peux pas attaquer, ça veut dire que ton personnage, ses événements et ses améliorations ne peuvent pas taper le méchant. Tes D'accord. alliés peuvent toujours, et tes Donc ma soutiens aussi, priorité, c'est le mais ainsi de soldat, suite. Voilà, exactement. Et une fois que tu l'auras vaincu, tu prendras une nouvelle carte en compte face à toi. Donc il est il a très raison. chiant. Dans le chat, il a raison. Je ne pioche pas de carte, donc je vais remettre la carte que j'ai Ah, piochée. ça a pris à jouer de sa main? Ah, Ouais. bien vu. Ah, elle est moins intéressante dans le deck là du coup. Mais bon, Ouais. elle reste bien donc. Et je vais shuffle. Hop. Voilà. J'ai eu la Merci carte. Manny. C'est pour ça qu'on joue jamais en live quand on fait des vidéos de Marvel Champions. Après, le Ça arrive. chat, il voit qu'on est nul. Et il a pioché. Je révèle. Exactement, tu peux y aller. Et ben voilà. Avancez! Et donc, il va manigancer une nouvelle fois pour un total de 2 plus la carte boost pour un total de 3. 1, 2, 3. Avancer qui est la pire carte quand tu joues tout seul. Et oui, Maria Hill est largement supérieure à Iron Heart, mais vous doutez bien que dans ce deck-là, j'ai mis Maria Hill aussi. Alors, eh bien, on a fini la phase du méchant. On va passer le jeton premier joueur à Keycord. Ce coup-ci, on n'oubliera pas qui joue aussi. Mais en plus, c'est vrai, j'aurais dû penser tout à l'heure, t'avais l'héliporteur qui n'était pas encore utilisé. Et du coup, eh bien, phase 2 héros de Keycord. Vas-y, fais-nous rêver. Alors, déjà, je vais incliner les porteurs. Ah oui. Je vais payer quoi? Parce que du coup. Le sol fertile est vraiment très très fort. Alors, ça, j'en ai pas besoin plus que ça. Alors, quoique. C'est de la En même pioche en temps, c'est. fait ça. Ouais. Et tu pourras utiliser tes jetons de croissance pour plein de trucs différents. Enfin ouais, c'est vraiment pas mal. Alors, ça me fait un petit. Ça m'embête, mais je vais faire ça pour payer Maria Hill. Ok, et J'ai donc, pas. ouais. Voilà. Ouais, ça fait deux, c'est parfait. Voilà, Et et chaque donc, joueur. chaque joueur pioche une carte. Donc, toi aussi, très cher Vianney. Parce que À Maria moi. Hill, c'est cool. Je vais ensuite jouer. Fortification, ok. Gagner deux jetons. Alors attends, je suis à 8, je crois, hein, donc je peux Ouais, en c'est à prendre 8, deux donc tu encore. montes à 10. Voilà, t'es au Donc je suis au maximum. maximum. Voilà. Donc je vais commencer à pouvoir foutre des baffes. Ah bah là, tu vas en mettre une plutôt grosse si je me trompe pas. Alors ça m'ennuie de sacrifier ça, mais en même temps, c'est ça donne tellement envie. Ah non mais vas-y, hein, moi c'est le but du deck, hein. Allez. Donc il Pour défausse deux. deux cartes, donc pour deux. Et Je je vais mettre. s'appelle Groot. Il va mettre Voilà. autant de dégâts que le nombre de jetons de croissance sur l'ennemi, donc il va mettre une énorme mandale à 10 sur le même absorbant, qui passe à 8 PV. Groot, une Donc fois en voilà. place, c'est fort.
Et Il y a plusieurs ensuite. faces sur le héros, pardon. Enfin, sur le méchant. Pardon? Il y a plusieurs faces sur Tout à fait. l'adversaire, Il y là. a deux phases. Donc là, c'est la Il y a phase deux. 1 et après, il y en a une phase 2, où il sera un peu plus vénère. Et Maria Hill va contrer pour enlever deux de manigance. Ok. Là, je mets Est-ce 3 que dégâts. Groot lui fait quelque chose? Et Groot va donner une mandale à deux. Ok. Très Voilà. bien. Bien, c'était un sacré tour. Voilà, ça me paraît pas mal. C'est beau ce que t'as fait, Groot. Allez, vas-y, Les gars. Vianney, tour 6, je te laisse te débrouiller. À partir de maintenant, t'as ton Tony Ah Stark, t'as Iron merde. Man qui est en place, tu peux faire les choses. Aïe. Ouais, ok. T'inquiète pas, il y a juste combien? On a juste une quinzaine de spectateurs qui peuvent se moquer Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, j'ai le de rôle du noob, donc tout va bien. toi. Hein. J'ai envie de jouer cette armure. Mais fais donc. Je dois payer 3. Est-ce que je récupère le Queen Porter Tu ou peux pas en pas. fait? C'est pas Je un veux pas. tech. C'est que les cartes tech que tu peux récupérer avec la tour Stark. Par contre, si je dois te donner Et un en plus. conseil, rappelle-toi que Pepper Potts copie la carte du dessus de la défausse au niveau des ressources. Ah ouais, c'est pour ça que je Donc, me disais essayer de faire une double énergie, que ça peut être trop balancer cool. l'énergie. Ça peut être très très bien. Mais il faut bien penser à le mettre en dernière sur la pile de la défausse quand tu utiliseras l'énergie d'une autre carte. Je peux mettre mes deux gants? Tu peux mettre tes deux gants. Tu peux mettre toutes. Là, en fait, t'as les deux pièces d'armure qui te manquent. T'auras toutes tes pièces d'armure. Je mets ça. Hop. Du coup, je mets les Énergie. gants. Élégant. Très bien joué. Et là. Ensuite, Pepper Pot. Exactement. Donc, ça te fait deux ressources. Je vire. C'était multitâche, je crois, qui m'intéressait moins. Oui, ça c'est moins intéressant, en effet. Ce qui fait 3. Et donc là, j'ai mes 3 pour l'armure. Ouais. Il y a un petit truc que je t'ai pas dit au cas où, c'est que le pouvoir de la justice, tu vois, il a une ressource verte. Les ressources vertes, c'est des bonus. Ça peut être n'importe quelle ressource, n'importe quelle couleur. Ah, bon, là, il n'y a pas besoin de... Ça peut être utile pour Ça peut être utile mes pour tes bottes. bottes, mais pour tes bottes, au pire, t'as le manoir. Ça peut surtout être utile pour la chaîne des boulets, qu'il faut enlever en dépensant une ressource rouge, que tu n'as pas actuellement. Ah oui, mais attends, je peux faire cette action-là, du coup. Tout à fait. Après, t'as. Ah, alors attends, ça vaut pas le coup, parce que là, tu vas faire qu'avec deux cartes. Ah, parce qu'on refait Remélange. pas son deck quand on a Alors, besoin de piocher. si, mais là, pour l'effet, du coup, tu le feras que sur deux cartes. Je crois même pas que tu peux le faire, en fait. Ouais, tu peux pas le faire parce que tu peux pas regarder les cartes du dessus de ton deck. Il n'y en a que deux. D'accord, ok, bon bah laisse tomber. Très bien. Mais là, par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'à partir du moment où tu as toutes tes améliorations en jeu, donc tu as une taille de main de 7 en Iron Man, donc tu peux rester ad vitam aeternam en Iron Man quasiment. C'est parti là. Là, ça y est. Voilà. Tu as tous tes bouts d'armure qui sont arrivés. Tu vois, comme dans le film, tu fais un petit backflip en posant le poing par terre pour dire je suis Iron Man et c'est parti. J'ai oublié ça. Oui, bien vu. T'es à la base à 9 et t'as un total de plus 8, donc c'est ça, 17. Vu que tu t'es pas bougé pour l'instant. Bah, je vais peut-être défausser justement le pouvoir de la justice Ouais. pour Vas-y. gérer la. Pour gérer chaîne et boulet? Ok. Ouais. Donc chaîne et boulet, pouf. Ça dégage. Ça dégage. Ah non, ça Je. retourne dans le deck rencontre, excusez-moi. Oui, ça dégage temporairement. Ok, ensuite, fais-nous rêver. Ensuite. Les bons vieux tours d'Iron Man qui durent 10 ans. Parce qu'il y a 10 Ouais, minutes que désolé. 4 Hein. triggers. Non, non, mais c'est le perso, hein, c'est pas toi. Mais en plus que comme je suis débutant, ma réflexion est lente et tout ça, donc. Ouais, mais t'inquiète, c'est stressant. J'aime bien l'événement, je le trouve cool. Ouais, mais tu auras du mal à le jouer, à mon avis. T'as pas de quoi le jouer à l'actuel. Pardon, Ouais. t'as que deux ressources en main, en fait, donc. Et le manoir il coûte trop cher donc Ouais. ça vaut pas le coup. Mais le manoir peut déclencher une de tes cartes en jeu. Ouais, je peux utiliser ça. Voilà. Ça vaut le coup, hein, franchement. Donc ça, Ouais, maintenant, carrément. tu as le trait aérien, tu voles donc. Et ça tombe bien parce que Donc, tes gantelets font oui. plus mal quand tu voles et t'as un petit sbire à tuer en face de toi. C'est ça. Donc. Il prend 2. Et je ne vais pas lui mettre les jetons tout de suite parce que je pense que voilà, tu vas lui en mettre 2. Tu Voilà, il meurs s'est et tu pris prends la la carte gauche et la rencontre. droite. Les cartes rencontre, quand t'en prends, tu les révèles quand même que durant la phase du méchant. C'est pas immédiat.
D'accord, donc pour l'instant, C'est juste je que la dans la gère phase de pas, charge, mais tu vas te je dois, manger deux je dois en cartes. garder sous la pédale au cas où, quoi. Même pas en fait, parce que tu vas te redresser en fin de tour. C'est juste que tu vas te manger deux cartes à la fin du tour, quoi. Voilà. Donc là, je peux peut-être faire ça. Tout à fait. Relancer une Grâce au troisième. casque, tu baisses de 1, la manigance Il y en principale. aura même une troisième. Oui, tout Même une à fait, Keyblord, troisième. mais je ne l'ai pas encore dit. Tu verras, t'inquiète. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Je m'inquiète pas. Bon, je vais incliner Iron Man. Donc, ben, je descends la manigance, du De coup. 3, ok. Tu comptes à 3. Donc, tac, tac, 1, 2, tac. 3. Tu vois, Iron Man Justice, c'est grisant. Hein. La manigance, elle reste pas longtemps à beaucoup. Et là, je pense que tu as presque fait le tour, sachant que tu as encore des alliés que tu pourrais utiliser, mais ça les tuerait. Mais du coup, est-ce que j'en profiterai pas pour... Ouais, non, ça vaut pas le coup. Faut que je les garde plutôt Faut que tu les gardes pour au défendre, en cas fait. où, quoi. C'est ça. Non, mais c'est bon, c'est tout pour moi. Ok. Eh bien, donc, si c'est tout Donc... pour vous deux, je vous laisse vous détaper, refaire vos tailles de main maximum. Je rappelle que Iron Man, maintenant, t'as 7. Parce que c'est écrit sur la Donc là, carte, hein, 7. je pioche d'abord les deux que j'ai. Voilà, tu pioches les deux que t'as, tu reprends ta défausse, tu en refais un deck, et quand tu fais ça, tu te prends une carte rencontre dans la tronche. C'est pour ça que Ah, ça, je savais Keycord pas. te disait, tu vas manger trois cartes ce tour-ci. Ok, donc là, je repioche encore 4 pour arriver à 7. Exactement. Faudrait que tu me dises un jour comment tu pioches 4 d'un coup. Ah bah, tu mets ton curseur sur le deck et tu appuies sur le chiffre 4 au-dessus des lettres. D'accord. Voilà. Bien, c'est bon à savoir. Parce que moi, je faisais clic droit, Sinon, draw, 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 draw. dans Tabletop Simulator, il y a un menu avec tous les raccourcis clavier. Ah ouais? Ah bah, j'allais voir un petit 4. J'ai pris un peu de temps de les. Enfin, y en a que quelques-uns qui sont très très utiles, les autres, ça sert à rien. Ok. Donc, on est bon pour ça. On va passer à la phase du méchant. Alors, premièrement, ça y est, on a 5 pions de retard. Donc, il y a plein d'effets supplémentaires sur les cartes qui vont s'activer. Et la manigance principale monte de 2. Ensuite, notre ami l'homme observant va s'activer. Groot est en forme de héros, donc tu vas prendre une attaque à un total de 2 pour le moment. Est-ce que tu défends? Oui, je vais défendre avec Ironheart. Ok. Donc elle s'incline et elle va prendre un total de 2 dégâts. Par contre, vu qu'il y a au moins 5 jetons regard sur la manigance principale, tu vas prendre un dégât indirect. Donc soit tu le places sur un de tes alliés, soit tu le places sur toi et tu vas perdre un jeton de croissance. Ok, c'est sur toi, tu perds un jeton de croissance. Très bien. Ensuite, il va. T'étais en héros toujours, c'est ça. Oui, Donc je il voulais va. relire les faits en fait Il n'y a pas de simplement. souci. Mais là, l'effet, il est bien, mais c'est moins intéressant parce qu'en fait, entre être à 6 et creuser ton deck pour monter à cette carte et être directement à cette carte avec Iron Man, là, Oui. le seul moment où tu veux passer en alter ego, c'est pour te soigner si tu as besoin. Donc tu prends une attaque toi aussi à un total de 2 plus une carte. Est-ce que tu défends ou pas? Si oui, avec un allié ou pas? Sachant que, Kikan, tu pourrais aussi décider d'aider ton ami en le défendant grâce à un de tes alliés. C'est aussi possible. Il y a Glitchy-kun qui est dans le chat et qui est content de voir que son mode nous plaît. Ah, Glitchy-kun, bah voilà, on a un des créateurs. Et bon courage contre Monsieur Propre, c'est vrai que c'est tellement ça. Du coup, comment vous défendez cette attaque de l'homme absorbant face à Iron Man? Est-ce que tu veux que je défende pour toi, Vianney? Sachant Je que toi, sais Vianney, pas. t'as aussi des alliés qui sont à un point de vie de la mort, donc ils peuvent aussi défendre, ils servent à ça en général quand ils arrivent à ces Ouais, conditions. si tu veux plutôt faire de la patate ou tout ça. Tu veux. Non, 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 je vais essayer de gérer avec ce que j'ai. Ok. Donc, est-ce que tu défends ici ou avec qui? Sachant que tu as aussi un jeton tenace sur toi qui fait que tu prends 0 dégâts, mais Bah oui, c'est pour ça. si tu défends pas, la forêt va faire que tu vas prendre un dégât indirect. Même Au 2 dégâts pire, un des cas indirects. sur 17, ça va, quoi. C'est C'est ça, pas. mais même 2 dégâts indirects pour être précis, parce qu'il y a 5 jetons de retard maintenant. Donc, à toi de voir. Non, je vais gérer. Tu vas gérer comment du coup? J'en sais rien. Tu fais rien et tu laisses prendre attaque sans défendre, c'est ça? Ben. C'est toi qui vas.
En vrai, tout est viable, hein. Franchement, là, c'est une question de préférence. Y a pas de choix obvious que. Ah, je peux perdre le tenace sur Iron Man, peut-être. Tu peux. Eh ben, allez. Tu perds le tenace. L'attaque n'était pas défendue, donc tu prends deux dégâts indirects que tu répartis comme tu veux. Ouais, tu peux prendre un C'est-à-dire autre. que je répartis comme je veux. Je Bah, il y a pourrais deux répartir sur dégâts. mes alliés. Tout à fait. Bon, je le prends sur moi. Sachant que c'est pas super rentable vu qu'il reste pile un point de vie, autant qu'il fasse un truc ou alors qu'il prenne une attaque, tu vois. Bah oui, voilà. Donc ils prennent une grosse baffe d'un coup plutôt que. C'est ça. Ah, et l'attaque sur toi, pardon. Ouh, c'était une grosse attaque. Le tenace, il a bien servi. Là, c'était une attaque à 5. Ok. L'attaque du méchant, c'est fait. Maintenant, on va faire les cartes rencontres. Donc, on en distribue une au premier joueur, une au second. Et on va d'abord faire celle du premier joueur. Et oui, on est sur TTS, tout à fait, ça n'y est fait. Je me trompe pas. Ça l'a fait, pardon. Ah, alors, coup de pied d'acier. Tu es en quoi? Tu es en héros. Subissez 3 dégâts indirects. Putain, c'est trop chiant, t'as pas de quoi les gérer efficacement. Du coup, Puis c'est même pas bah, tu vas devoir les mettre chargé de. sur ta pomme, je pense. Tu À moins que tu les mettes sur tes alliés, prends. hein, mais. Non, non. Il a pas le trait métal, non, il a pas le trait métal. C'est 3 dégâts, donc j'enlève 3 jetons. Ok. Allez, dégâts indirects, c'est un peu la phobie de Groot. Ouais. Donc je ne suis plus qu'à 6 jetons. Exactement. Oh là là! Peut lécher dans le pied. 6 sur 10, c'est si peu. Enfin, c'est tellement. Et là, Vianney, Mmh. bah donc t'as 3 cartes que tu vas te manger les unes après les autres, donc bah on va faire en partant de la gauche. Vas-y. Allez. Alors, duplication omnimorphe. Il a quel Merde. trait? Il a le trait bois. Donc, tu défausses une carte prise au hasard de ta main. Je vais jeter le petit dé. Un des sept. Ah zut, ouais bah tant pis, ça sera pas la septième. Voilà. Voilà, c'est la première. C'est pour la justice. Oh, la justice. Qui est le meilleur événement de l'aspect justice actuellement. Il est très très cost effectif. Je vais te laisser révéler la deuxième carte. Eh bien, le coup de pied d'acier, tu le manges aussi, donc tu subis 3 dégâts indirects. Comment est-ce que tu les répartis? Eh bien, la réponse est répondue. Malin, Et hein. enfin, encore la duplication omnimorphe, tu vas redéposer une carte de ta main. Ce coup-ci, je peux prendre le D6. 5. Ah, elle tombe mort, dommage. C'est très bonne carte avec Iron Man. Assez mal sur ce rang. Ouais. Là, bah, en même temps, il y avait 3 cartes à manger, donc forcément, il y a un moment où tu prends cher. Enfin, toi, au prochain tour, t'en prends 2, a priori, Groot aussi. On passe Et au ça va premier être pas mieux. joueur, et en effet, on va passer au tour de Vianney. Viennet, qu'est-ce qu'il a d'intéressant à faire? J'aimerais bien. Est-ce qu'il y a moyen de mettre des mandales? Là, t'as Vas-y, pas. En fait, les fais-toi. cartes pour mettre des mandales, ça va plus être les cartes de héros que t'as dans ton deck, plutôt que les cartes justice. Ah oui, voilà. Utiliser Wiccan pour enlever de la menace et lui faire un peu de dommage aussi. Hein, C'est ça, ou... complètement. T'as les gantelets aussi, avec si tu te mets à rien, ça fait quand même 4 dégâts, c'est pas rien. Après que le speed est contraire, redressez-le. Speed, Ouais. voilà, c'est un allié qui contre plein de fois très rapidement. Multitâche, ça fait moins 2 à une menace. S'il y avait une autre, ça faisait encore moins 2 de plus, mais c'est pas le cas. Sous surveillance, c'est assez sympa. Sous surveillance, ça va passer le maximum de menaces de 24 à 28, histoire d'être vraiment safe. Mais en vrai, vu que tu comptes 2-6 par tour, ça m'étonnerait que vous ayez des problèmes là-dessus à terme. Ouais, je sais pas trop quoi faire pour être honnête, à part peut-être jouer speed. Tu peux jouer speed et le garder sur le terrain au cas où, hein. Il pourra toujours contrer Alors. en plus ou mettre des dégâts petit à petit. En fait, j'aurais bien défaussé. Est-ce qu'on peut défausser une carte, Et utiliser non. Pepper? Non, tu fais en Ouais, même non. temps en fait. Bah, je vais peut-être faire multitâche alors. Ok. Tu pourrais faire en effet multitâche en défaussant la force et derrière réutiliser Paper Post, pouvoir de la justice pour jouer speed. Bah, c'est ce que je voulais faire. Sachant que je pense que si tu veux faire tes bots, il faut que tu gardes une ressource bleue. Et il n'y a que le pouvoir de la justice qui ferait du bleu a priori. C'est bon. Si je fais ça, Ah, vas-y, montre-moi. si je fais ça, je Tu fais fais force plus multitâche. multitâche, donc ça fait moins 2 à la manigance principale. Zut. Ouais, mais du coup, il est défaussé. Oui, mais tu peux choisir l'ordre dans lequel tu les mets. Donc tu peux Ah mettre oui? le multitâche. Ouais, tu peux mettre le multitâche en dessous de la force.
Ça, je savais pas. Enfin, tout Merci. du moins, j'ai toujours vu comme ça, je crois pas qu'il y a d'indication particulière. C'est possible. On vient clean paper Pepper pot. Potts. Du coup, j'ai. J'en ai deux. Ouais, du coup, ouais, bah Tu je pourras pourrais pas pas utiliser utiliser. mes Mais potes. oui. J'avais calculé, Non, bah mais je je. voulais que tu t'en rendes compte. Ouais, bah C'est ouais, bah pas non, du grave, coup. hein, t'inquiète. Tu perds juste 2 dégâts dans le tour, c'est pas non plus la mort. Ouais, mais enfin, je préférais les mettre, pour être honnête. Je comprends. Donc, donc allez, je vais Sinon, tu faire. peux garder speed et faire autrement. Ça sert plus à rien, la tour Stark, Là, maintenant. franchement, non. Tu t'es en place, la tour Stark. Il y a moins d'intérêt. Bon, ben, go, hein. Bah, vas-y. On commence par paf. Tu contres ou tu tapes? Groot. Mets la McGrance à 0, comme ça on est tranquille, et puis après, si t'as encore des trucs, tu tapes sur le même sort. Allez, bon bah on 1, 2, écoute 3, Groot. t'as contré en premier, ok. Ensuite, Hop, tu les hop, adresses, hop, tu tapes à tac. 1, ok. Hop. Tu défausses une ressource verte, enfin une ressource Joker, donc pour activer tes bots, j'imagine. Donc clac, Tu voles, clac. tu mets 4, 1, 2, 3, 4, il lui reste un point de vie. Reclac. Est-ce qu'il n'y a pas un petit week-end qui va se sacrifier pour le faire passer en phase 2? C'est mieux. C'est une bonne question, C'est ça. mieux comme ça tu feras. Parce qu'en fait, le dégât supplémentaire que tu fais, là, il se les prendra pas, en fait. La, clic. La, Donc, week-end qui clic. va taper. On tombe à 0, et là, tin-tin-tin, l'homme absorbant passe en phase 2. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il gagne un trait Défausser de chaque Wiccan. environnement en jeu. Oui, il est défaussé, tout à fait. Une fois révélé, si pouvoir super absorbant est en jeu, vous preniez des trucs, mais ce n'est pas le cas, donc on va chercher pouvoir super absorbant et le mettre en jeu. Donc on Ok. va chercher. Dans la défaut, celui-là, je crois. Ouais. Pouvoir. Alors attends. Ah, les cartes sont numérotées, c'est génial ça. J'ai pas les noms. Donc ça va être juste un tout petit peu long. Il est là. Donc il rentre en jeu. Et il a donc 6 manigances sur lui. Hop là. Et voilà. Et il a donc 15 points de vie par joueur. Donc il a un total de 30 points de vie. On est dans la dernière ligne droite. Et il a maintenant Je peux aussi 2 de continuer. manigance et 2 d'attaque. Donc tu peux continuer ton tour à partir de maintenant. Donc si je fais les gantelets, je J'avais déjà peux. compté les 2 gantelets dans le tour en question, il me semble. J'avais déjà mis moins 4 via les gantelets. Donc les deux gantelets étaient utilisés. Ouais, tout à fait. Salut. Ah bon, peut-être. Ok. Ok, ça marche. Là, tu peux utiliser le casque, par exemple, pour enlever une manigance. C'est Ou si ça. tu voles, tu l'enlèves ici. Ok. Je peux plus rien faire d'intéressant. Là, non, je vois pas trop ce que tu peux faire en plus. Ah, si, tu pourrais utiliser Pepper Potts pour jouer le sous-surveillance, mais c'est. D'un côté, ça épure ton deck, hein, de jouer les cartes. Ouais, carrément. Pepper Potts, tu fais une ressource, tu défausses speed et tu joues sous surveillance. Tac, tac, tac. Et donc ça c'est une carte qui va s'attacher tout là-haut, sous la manigance principale, donc je vais le mettre là à côté, genre. Et c'est juste qu'ici, on passe de 24 à 28. Très bien, fin de tour pour Iron Man. Ok. Et passons donc à Kikorn, avec son Alors, moi bon vieux Groot. je vais tout de suite utiliser ça pour réduire de 1. Ouais. Je vais payer. Ouais, je vais faire ça. 1. Et ça fait 3. Pour ça. Pour 3, Okai, qui est très cool, Okai. C'est un allié qui rentre en jeu avec 4 jetons flèches sur lui, et dès qu'un sbire rentre en jeu, il peut enlever une flèche pour mettre 2 dégâts à sbire. Très bon allié. Ah. Attends. Hop, voilà. Ensuite, je vais avec Groot. Hop, je vais attaquer l'homme absorbant. Ok, donc tu lui mets 2. Tombe à 28. Voilà. Je vais aussi attaquer une fois avec Ok, Okaze pour lui ok. mettre un dégât. C'est fait. Voilà. Ensuite, je vais passer en alter ego.
Je vais utiliser l'action pour gagner Ah, deux jetons. apparemment, les jetons que tu as mis sur OK, en fait, c'est les jetons de Groot. Ah, bah, Non? je sais pas pourquoi ils sont partis. Okay, bah, oui, parce T'étais qu'effectivement, à j'étais 6 à. à la base, et là, tu vas monter à 8 au total. Donc, ouais, il reprend tous les jetons de Kai et maison 4 sur. Sur OK. Mais au pire, attends, regarde, embête toi pas, juste, on va en mettre un à 3, ce sera plus simple. Donc c'est, j'ai mis les jetons, logiquement, Tu dois 8 être à 8, c'est bon, t'es bien à 8. fin Merci de beaucoup, tour. Mainly, bien vu. Fin du tour? On va avoir des gens qui suivent. Hein. C'est ça. Qui suivent Et pour nous. voilà. Ok, eh bien on passe donc à la phase du méchant, mais avant ça, vous allez redresser vos cartes en jeu, vous allez refaire vos tailles de main maximales. Alors qu'on a Virus Ludique qui nous a follow, merci beaucoup. Et d'ailleurs, on a passé les 1000 follow hein, hier soir durant Entre-deux-guerres, si je ne me trompe pas, t'étais là, Kikor, toi, il me semble. Oh. Oui, tout à fait. Oui, c'était super. Donc c'est Donc, vraiment très très cool de votre part. les Tigurius nous ont fait une belle surprise préparée quand on a Oui. passé les 1000 follow. J'ai vu passer. Donc, c'était très, Excellent. très. Ok, Merci donc oui, pour le. tu peux refaire ta main, Vianney, tout à fait, à 7. Oui, pardon. J'étais. Y a pas de problème, t'inquiète. Donc, vous refaites votre main, vous redressez toutes vos cartes en jeu, et ça va être le tour du méchant. Ah, vous avez laissé le pouvoir super absorbant en jeu, ça veut dire que ce tour-ci, l'homme absorbant, a tous les traits. Non. Ah, je vais pouvoir jouer War Machine, hein. C'est cool. Il est pas très fort, malheureusement. Oui, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et t'as surtout le rayon répulseur qui est un bon event de dégâts normalement. J'ai un doute là, j'arrive à la fin du deck, mais je dois pas. Je suis arrivé juste à ce que je devais Si, en piocher, donc fait, ça. si t'arrives pile, tu dois quand même refaire ton deck dès maintenant. Ton deck peut pas avoir 0 card, grosso modo. C'est maintenant que je me rends un rencontre de plus alors. Tout à fait. Regarde, hop là, je te le mets gentiment. Ok, En merci. tout bien tout honneur. Alors, la manigance principale augmente de 2. À côté de ça, l'homme absorbant va agir. Il va d'abord attaquer Iron Man pour un total de 2 pour le moment. Est-ce que c'est défendu? Si oui, comment? Je rappelle, si c'est pas défendu, il y aura des dégâts indirects. 2 en l'occurrence. Non, viens, non, on a intense réflexion. En effet. Petit rappel, les alliés, quand ils n'ont plus qu'un point de vie, servent clairement à ça en général. Là, regarde, entre Coulson qui va contrer à 2 ou Coulson qui va empêcher une attaque entre 2 et 5. Tu vois ce que je veux dire? Pardon. Allez, hop. Ok. Et puis en plus, il t'empêche l'attaque, il t'empêche aussi les dégâts indirects vu qu'il défend. Ok, donc l'attaque était pour un total de... Ouf, beaucoup! Pour un total de 4. Et en plus, vu qu'il a le trait glace et métal, on lui donne une carte d'état tenace. Hop. Donc la prochaine fois qu'il subit des dégâts, ils seront annulés. Et oui, bref, Génial. pouvoir super absorbant, c'est très chiant. Maintenant, il va manigancer durant le tour de Groot, car il est en alter ego. Il va manigancer donc un total de 2 plus 0. Vous avez de la chance. Il manigance qu'à 2. J'aime Et... bien quand ça se passe comme Ouais, les assauts et les avancées, quand ils sortent en carte de boost, t'es assez content en général. Et maintenant, on va faire les cartes rencontres. Du coup, vas-y, Vianney, tu peux regarder ce que t'as comme carte rencontre de ton côté, vu tes premiers joueurs. Oh Un soldat non! d'Hydra, 4 dégâts à 9 J'ai une survie, c'est chiant. réponse. J'ai une réponse. T'as une réponse? Ah oui, tout à fait! Bim! Okai, il lui met une flèche entre les deux yeux, et pouf, ça lui met 2 dégâts. Ah bah merci. Et maintenant, on va faire les Merci, cartes Barney. qui cornent. Commence par celle de gauche, dans le doute. Dans le Sur, ouais, Groot. hein. Dans le Groot, ouais. Étreinte glacée, tu es sonné, et si l'être est glace, tu subis 2 dégâts directs. Oh, c'est moche. Alors, Héros, deux j'avoue que dégâts. je me souvenais pas qu'il y avait autant de dégâts indirects sur moi absorbant quand j'ai buildé les decks, parce que sinon j'aurais peut-être mis des trucs différents à la place de route. Voilà. Je suis content. Je suis content d'être venu. Bah oui, il a le trait glace, parce qu'il a tous les traits. Ceci dit, si vous aviez enlevé pouvoir super absorbant, et ben, il aurait pas les dégâts indirects. Donc c'est de votre faute. Super. Et la Hein. dernière, bah ça tombe bien, c'est le trait glace justement, qui vient remplacer le trait bois. Et donc dorénavant, sur les attaques non défendues, il y aura de la menace supplémentaire sur la manigance principale. Ça Très grave limite, ça. vu que vous avez un joueur justice qui est full équipé, vous vous en foutez. C'est le moins méchant, on va dire.
Alors moi je trouve que c'est le soin le moins méchant, mais la manigance ça dépend des decks. Là, avec un Iron Man Justice full équipé qui se redresse et qui fait 6 minimum par tour, bon, oui. Là clairement c'est le moins méchant. Ok, on passe le jeton premier joueur à Kikord, et c'est parti. Mais juste ça. Bon, écoute, j'ai le droit de me venger, hein. Donc je me mets d'abord deux jetons Alors, croissance. rappelle-toi juste qu'il a un jeton tenace, hein, au cas où. Oui, mais je sais, mais bon. Vas-y, vas-y. Hop, je passe en alter ego. Ouais. Je vais attaquer pour enlever le jeton sonné. D'accord, donc T'es t'as en fait héros passer. là, t'es pas en alter ego. Il vient de passer en héros à Mais bon, là, l'instant. Mais donc t'es ah, incliné. vite, parce que t'es. Ouais. Voilà, hop, voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire après? Oh, j'avais pas vu. Attendez, je fais un truc trop bien du coup. Ah, mais y a pas Groot. Oh, on me vend du rêve sous les tapis qu'il pourrait avoir Groot, mais y a pas Groot. C'est ça. Je vais utiliser pour un, je vais mettre ça en jeu. Ok. Voilà. Donc tu mets les branches qui permettent de te redresser pour deux jetons croissance. Je vais utiliser la Squirrel Gueule pour mettre. Attends, il y a combien de menaces là? 4, ouais. Pour mettre un dégât à l'homme absorbant. Ok. Ça, elle est morte, mais c'est parce que je veux faire un truc. Je vais l'engager, l'héliporteur, pour réduire de 1. Ouais. Attention, je m'en doutais, ça ne marche pas parce que là c'est la carte que tu payes qui est réduite de 1. Donc appel de détresse va prendre l'héliport. Donc je fais d'abord ça et ensuite j'utiliserai l'héliport pour payer Tu le peux pas en machin. fait. Parce que quand Hein? tu joues la carte, tu payes directement le héros. Bon, c'est pas grave, j'utilise un autre machin. Donc là, appel de détresse, redresse son héliport, tu l'as encore. Ouais. Hop. Alors attends, je vais regarder les cartes que tu as dans dans ta défausse, Vianney. Et je pense que je vais aller chercher un petit Wiccan. Ok. Donc il va me coûter 2. Attends, je vais le sortir si je peux. Ouais, je peux. Est-ce que Coulson était mort normalement? Ouais, mais il a peut-être été arrangé avant. Ah, mais là là, Mainly, c'est un génie, Mainly. J'avoue, je suis pas du tout concentré sur le Groot. En fait, tout à l'heure, quand t'as pris les deux dégâts directs, t'étais en alter ego, du coup, tu pouvais pas faire les jetons croissance, donc t'es toujours au. T'as deux jetons croissance de plus et deux de PV de moins. Ah, Mainly qui a bien vu, en effet. Donc il faut quand même que je paye 2 pour avoir cette chose. Donc je vais payer le Triskelion et ça. Voilà. Ok. Pour payer les deux. Il arrive. Et bah écoute, je vais contrer avec lui. Oublie pas que t'as un copain qui a un soldat d'Hydra. Après, il devrait pouvoir le gérer, hein, mais c'est au cas où. Ouais. Donc je Contre avec réitère la question. Wiccan. Coulson est bien mort, hein. Coulson est bien mort. Et donc il aurait pu le prendre tout à Attends, l'heure à la place de l'autre. attends. Oui, il avait encaissé Coulson. Ouais, donc je Mais. l'avais pas mis, mais il aurait pu le prendre dans ma défausse, du Ouais, coup. mais c'était moins intéressant pour lui parce qu'il n'a pas de carte préparation dans son deck. Ok. Et Donc au donc, final, du je coup, fais autre chose. je Ouais. contre pour. J'ai enlevé le Et. compte, j'ai enlevé la manigance là-haut, mais par contre, ça fait un total de 2 dégâts que tu Et répartis comme tu je. veux. Et je pense que je vais plutôt enlever, comme il peut faire pas mal de trucs, je vais plutôt enlever le tenace de Alors, tu l'homme peux les absorbant. répartir, ce qui veut dire que tu peux mettre un sur l'homme absorbant et un sur le soldat. Ouais, bah je vais faire ça. Ça me Ok. paraît bien. Très bien. Voilà. Et fin de tour pour moi. Ok. Et donc du coup, au tour d'Iron Man. Bon, c'était pas ouf à ce tour-là, mais bon. Il m'a bien pourri en même temps, donc. En fait, je pense que un truc que tu fais peut-être pas assez, c'est de jouer les cartes de Groot pour booster tes stats. Là, tu t'en sers pour dépenser tes ressources. Mais en vrai, vu que t'as 10 jetons croissance, tes jetons croissance, ils servent à ça. Hein. Tu te redresses, tu boostes tes stats, tu mets des grosses pépites, des gros contres, etc. Après, à voir, hein, ça, c'est des styles de jeu différents, bien sûr. Mais du coup, en effet, c'est le tour d'Iron Man et qui est en train de réfléchir. Parce qu'il a plein de Du possibilités. coup, bah, en fait, ce qui me dérange, c'est que là, du coup, le deck justice, c'est cool parce que les manigances, je peux les descendre. Mais là, en effet, il n'y a pas beaucoup de manigances à gérer. Bah, il y en a Enfin, là, il y en a il y en là, a quand mais même c'est une tout, 8 à quoi. faire, hein, donc faut quand même les faire, mais voilà. Bah, de toute Après, façon,
Après, il faut voir qu'on est là, il est bas en manigance. On peut commencer à tataner gentiment l'homme absorbant, puisque là, il lui faut 26 points de dégâts, il est mort. Ouais, mais c'est juste que là, dans sa main, il a eu tous ses events justice quasiment. Il y en Ouais. a 7 dans son deck, il vient d'en fêcher 4. Du coup, j'ai envie de jouer pour la justice. Alors, moi, je te proposerais de regarder un peu multitâche ce que ça fait. Parce que c'est assez rentable dans la situation actuelle. Ouais, tu peux tenter un rayon répulsif aussi hein, pour faire de gros dégâts. Hein. Complètement. Oui, ok. Du coup, je dépense un dégager la zone Ok, c'est une ressource bleue si je ne me trompe pas, parfait. Ah, pour pour les les bottes bottes. Ok. fusées. Pour les Bah bottes oui. fusées. Vas-y, vas-y, je te laisse enchaîner. Donc, je dépense une deuxième dégager la zone pour le multitâche. Ok. Toujours multitâche, donc tu retires deux manigances sur deux manigances différentes. Donc Et deux fois comme la j'ai principale. dépensé. Ah non, c'était pour payer la carte. Oui, bah oui, j'ai Oui, c'est payé bon, la c'est bon. carte Ça a avec une marché. ressource bleue, donc c'est bon. Ça a marché, tout à fait. Donc là, je peux. C'est Ok, bon, tu on l'as fait, comprend tout. merci. Le Ensuite. multitasking vient dans la défausse. Ensuite, rayon répulsif. Ça coûte 1, ça va Ouais, détruire ça les vaut le cartes de ton coup. deck et ça va mettre des dégâts en fonction. Mais il faut Ça vaut le d'abord, de toute coup. façon, que tu gères le soldat d'Hydra. Ouais, bah du coup, Tu peux très bien lui taper dessus à la si je fais main. ça, je Tu peux le fais ça, tu lui mettre. mets 1 et il meurt, ça marche. Bah voilà. Ok, donc tu lui as mis 1 et il tombe. Clac, Et tu clac. manges une carte rencontre parce que c'est son effet. Je la révèle Pas pas tout de tout de suite, pas tout de suite, suite, on est tout à fait. d'accord. Tu t'es redressé, très bien. Je contre. Tu contres quelle manigance? Ah bah oui, ouais bah non. C'est pas grave, hein. Autant que tu. Je veux dire, j'imagine que tu es en train de calculer par rapport à ton casque, mais c'est pas grave, hein. Mieux vaut être sûr d'enlever le pouvoir super absorbant que de vouloir absolument rentabiliser son casque. Attends, ouais mais je fais le casque. Tu fais le casque avant, imaginons. Ça enlève 1 à la principale Voilà. et ça enlève 1 au pouvoir super absorbant. Ensuite, Bah, j'aurais bien utilisé pour la justice. Mais... ça vaut pas le coup en vrai. Mieux vaut Ouais. taquiner et contrer naturellement en fait. Ouais. Bon bah go alors. Ok. Et bah pouf, pouvoir super absorbant n'est plus. Ah, et d'ailleurs, on a fini le deck rencontre du méchant. Ok. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on le recrée à partir de sa défausse. Et il y a une petite chose sympathique qui va arriver, c'est un jeton d'accélération. Donc maintenant, on va pas monter de 2 par tour, mais de 3 par tour. Génial. Bah, tu vas être utile. Comment? Ton aspect Tu t'es justice va gonflé. être utile. Ouais, c'est clair. Tu t'es tatane là. Je vais défausser peut-être War Machine pour le Ouais, rayon bien sûr. répulsif. Ok. Alors vas-y, tu vas défausser donc 5 cartes et tu vas mettre un dégât plus 2 par carte avec une par ressource énergie imprimée. Ça commence bien. Une. Ça compte pas parce que c'est imprimé. Deux. Donc tu mets un total de 5 dégâts pour 1, ce qui est rentable. Et Oui. toutes ces cartes vont dans la défausse. 5 dégâts, je vais les mettre. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah il descend bien le petit homme absorbant là. Et bonjour à ceux qui viennent d'arriver sur le chat. Bonjour à tous. Bonsoir à tous, bienvenue. La parole ludique est là, coucou. Coucou Eh oui. Akatsuki, j'adore ce pseudo. J'ai toujours juste un Donc, Daxasuke dans l'âme. allez, gantelet énergétique. Les gantelets. T'es déjà en train de voler donc tu vas mettre un total de 4. 1, 2, 3, 4. Tu peux aussi mettre ton rayon répulsif dans la défausse d'ailleurs. En effet. Ah, on a oublié tout à l'heure que tu as enlevé une manigance annexe, donc tu peux utiliser ton écouteur chevronné quand tu as enlevé le pouvoir super absorbant. Ouais. Bah, du coup, je peux piocher une carte qui va peut-être changer. Oh. Ah bah, ça peut être très sympa ça. Ah, et Menli, pour une fois, il me l'a dit après moi, c'est bon, j'ai eu le réflexe. Là, je crois que je vais défausser plutôt pour la justice. Policier en patrouille. Ok, et donc tu joues un rayon répulsif et tu refais la même. Une. Un, Ah dommage, le coup de poing, deux. c'est très fort. Oh là 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 là! Oh. Oh là 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 là! Ah. Oh!
Oh la C'est poutine le du Iron plus Man. gros rayon répulsif que j'ai jamais vu, et je crois même que c'est le plus gros rayon répulsif qui est possible de faire, parce que t'as eu full énergie et t'as eu aussi la double ressource énergie. Je crois que tu peux pas faire plus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 dégâts, putain. Ah, il tombe à J'aurais 4 presque muté, PV, quoi. laisse-moi. Attendez, quelqu'un a changé les PV du méchant ou pas? Non, pas encore. Hein. Ouais, non, il est à 21 puis Non, 17, c'est non. bon. Bah, il lui reste 4 points de vie. Tout va Bon. bien. Oh, Ouais. ce truand répulsif, hardcore. Très violent, j'avoue. Je sais ce qu'il va me rester à faire, hein. Si je peux, au tour prochain. Hein. Bah, si tu veux finir, je te laisse là. Ouais, je Et de toute façon, j'ai plus rien à faire. À la limite, je pourrais jouer mon pour la justice, mais Même il sert pas, à rien, il t'as n'y a pas de plus de quoi à jouer en manigance. fait. Il faut que tu défausses d'ailleurs ton rayon impulsif, mais là t'as pas de quoi jouer pour la justice. Je peux le défausser maintenant? Non, le rayon impulsif c'est la carte du dessus. La carte que Ah t'as jouée oui, d'ailleurs. pardon. Et le pour Ah, la c'est vrai, justice je peux t'as pas de quoi pas. jouer du coup. Et Non, là, c'est toi, là. là c'est un beau tour. Hein. C'était un Super. putain J'avoue. de tour. Ok. Un bon plan c'était dégager la jaune pour piocher deux. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, en effet. En fait, t'avais les dégager de la zone, les cartes que t'en as servi pour les défausser. Si jamais tu t'en sers et que ça clean une manigance, principale ou annexe, ça te pioche une carte. Et du coup, avec l'enquêteur, en plus, t'aurais pu piocher deux, etc. Enfin, c'était pas mal. Mais là, ton tour était très très bien. Il était très très rentable. Ouais, je Enfin, trouve bref. aussi. Du coup, fin du tour, vous redressez toutes vos cartes et surtout, vous repiochez vos tailles de main maximale. Ouais. Alors moi j'ai plus que trois cartes, donc je vais refaire. Exactement, bah, tu vas remanger 3 cartes en compte. C'est l'avantage et le défaut des decks à amélioration, c'est que quand tu joues un deck avec beaucoup d'amélioration, une fois que tu es en place, tu es super puissant. Par contre, vu que tu as un petit deck, il se mélange plus souvent. Et donc, là en plus, tu viens de faire 2 rayons plus 6, donc tu as défaussé 10 cartes de ton deck. Donc forcément, tu Ouais. manges plus de cartes en compte. Mais bon, ça va, il lui reste 4 PV au méchant, ça devrait aller. Au Et pire, vu ce que tu as je en viens de piocher main, deux tu viens rayons de piocher, donc oui, ça devrait répulsifs. aller. Faut juste, là, de toute façon, là, faut juste survivre à ce tour-ci et c'est bon. Et bon, Ouais, bien, ouais, c'est ça. ça devrait aller la survie. Entre J'ai Groot qui des. a 10 points de vie J'ai des. potentiels et 10 000 alliés, Moi, j'ai envie que c'est Groot fasse incroyable. plaisir, moi, perso. Du coup, face du méchant, ça monte la manigance principale de 3. On rajoute un petit token retard. Attaque sur Groot. Zut, j'ai pris toutes les cartes. Attaque sur Groot à 2 actuellement. Est-ce que c'est défendu? Je vais défendre avec Maria Hill. Tu défends avec Maria Hill. Maria Hill va manger une attaque à un total de 3 dessus et mourir. Ok, et c'était défendu. Donc pas de coteau enneigé. Attaque sur Iron Man avec une carte boost. Est-ce que c'est défendu ou pas? Sachant que si tu défends pas, tout ce qui se passe. Enfin, tu vas prendre des dégâts bien sûr, mais ce qui se passe surtout, Mais c'est que je. tu vas juste mettre de la manigance en plus sur la manigance principale, donc c'est pas si grave. Je vais défendre avec Weekend. Ah, il défend avec Ah, Weekend, donc t'as pas d'accord. besoin de t'incliner. Donc c'est défendu avec Weekend. D'accord. Weekend va encaisser le total de 4 dégâts. Et décéder. Tu vois, j'ai bien fait. On met dans ton deck. Hop, voilà. Ouais, c'était 4 gros dégâts Merci. quand même. En vrai, là, tu vois, par exemple, c'était pas la peine de t'incliner pour défendre. Moi, je l'aurais prise nature. Parce que certes, tu prends des dégâts, mais t'as 12 PV, t'es large. Et entre mettre un PV en faire un PV en moins ou alors avoir juste de la manigance principale en plus, mais rester debout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En Ouais, c'est fait, plus puissant de c'était rester mieux de debout, ouais. rester debout pour pouvoir contrer à 3 et en fait Bien sûr, rentabiliser le truc au bien final. sûr. C'est pour ça. Pas oublier Pepper Potts aussi, pas utiliser ce tour-ci. Tout à fait, j'y ai pensé, mais ça n'a pas non plus été. Il n'y a pas eu des moments où c'était vraiment folichon de la jouer. Puis surtout, je laisse Vianney faire son tour, c'est sa première partie. Oui, soyez gentil avec moi, je débute. Exactement. On met les cartes rencontres sur vos petites faces. Hop là. Et c'est Kikord qui fait la sienne en premier. Hop, Ah, un bon bah soldat j'ai un cas. d'Hydra. Et ben, 4 pots de vie de plus à enlever. Et maintenant, Oui, c'est non, mais je. Vianney. Vianney qui. Ah oui, bien joué. La flèche. Je mets les dégâts. Mais non, mais non. Petite flèche d'Okai. Okai qui est très très fort. Vraiment, il fait beaucoup de dégâts sur le long terme. Et quand il n'a plus de flèche, tu fais rapide response, comme ça il revient en jeu, et c'est bien quand il vient en jeu, donc il reprend des flèches. C'est vraiment très fort. Vas-y, Vianney. La première, bah, la fameuse chaîne éboulée, hein, qui s'attache sur lui. Hop là. La deuxième, la petite recrue d'Hydra à 2 PV qui va monter un peu la manigance principale. Et la troisième. Est-ce que le Hoki peut réagir ou Ah pas? oui, ok, Oui, il bien pourrait sûr, oui. complètement réagir. Et bah, Bien pouf! sûr, oui, bien sûr. Voilà, il a plus qu'un jeton, mais il a fait son café.
Ben merci. Ah bah oui, de toute façon. Ah, et donc l'affleurement rocheux, il va repasser en mode pierre, et tu reprends une carte parce qu'il y a renfort. Et on la révèle tout de suite, celle-là? Tout à fait. On est encore dans le moment où on révèle les cartes. Ok. Le coup de pied d'acier, tu es un héros, tu subis 3 dégâts indirects, 4 s'il a le trait métal, mais ce n'est pas le cas. Donc tu prends 3 dégâts sur toi. Oh là là, c'est terrible. Et voilà le tour du Aïe. méchant. Je te laisse le finir. J'ai envie de dire, pour citer un film qui est sorti récemment, Finish Him. Ouais, mais ça, moi j'aurais voulu que Groot s'amuse en fait. Et c'est ta première partie, il faut que ce soit Est-ce toi que Crew, t'as de quoi qui le gérer? En plus, ouais, t'as même pas forcément de quoi gérer facilement. Ah, si, tu peux, ouais, tu joues Si branche j'avais épineuse et boum. forcément de tuer. Ah, mais t'as le garde en plus à tuer avant, de toute façon. J'ai pas de garde à tuer. Non, mais Ah, mon... Groot, lui, il a un garde pour qui doit d'abord passer avant de Ah, pouvoir mais taper. je peux lui taper son garde ou Tu pas? peux complètement lui Non, mais taper t'en son fous. garde. Faut juste taper. Non, Toi, tu veux que t'es. je termine la game, c'est ça? Après, Exactement. voilà, tu défausses le Queen Porter pour voler, puis tu fais gantelet, gantelet. Bah ouais, c'est ça Mais si quoi. t'as des trucs plus classe à faire, vas-y, hein, si tu veux faire un petit coup répulsif, un petit rayon répulsif pour voir si tu refais Bah, je pense que ça fait un une peu plus de spectacle, monstruosité rayon. à 13 dégâts. Je pense que ça fait un peu plus de spectacle Allez, si je vas-y. fais le rayon répulsif. Si tu veux vraiment faire du spectacle, tu pourrais faire un coup de gantelet pour le mettre à 2. Ouais. Et après, tu fais rayon répulsif pour voir à moins combien tu le mets, tu vois. Allez, allez, si tu veux. Allez, tu Hop. le mets à 2. Ok. Et ensuite, finish him. Donc là, il faut que je paye Genre un avec avec temps Pepperpots. Pense à mort. Pepperpots. Un petit conseil, si jamais t'as pas d'intérêt particulier à jouer tes supports, fais d'abord, voilà, incline d'abord tes trucs, comme ça t'es tranquille. Alors, une. Ça suffit pour le tuer, hein. Ah, c'était un peu moins bien. Mais tu fais 3 Ah, dommage. dégâts. Regarde, imagine, si t'avais pas utilisé les gantelets, il serait encore en vie. Tu te rends compte? Ce gâchis? Oui, c'est Ah vrai, non, mais non, il lui reste 2 vu points de comme ça. vie. Bah oui, il est mort, c'est ça. Et donc voilà, l'homme absorbant a été abattu. La ville est sauvée grâce à Iron Man et Groot. Eh ben, Eh j'espère que ça ben. t'a plu pour une première partie. On a fait combien de temps? On a fait, ouais, on a fait un peu moins de 2 heures pour une première partie, c'est normal. Normal. En général, le temps de jeu, moi je compte environ une demi-heure par personne. Ouais, j'irais même bien de 45 minutes, hein, Ouais, je suis même. d'accord, ça dépend des scénarios et de plein de trucs, mais entre 30 et 45 minutes par personne. Donc là, Dépend pour une première des... partie, au final, c'est bien passé. Ça dépend des decks aussi, s'ils sont agressifs ou pas, s'ils sont, Complètement. s'ils prennent leur temps et tout ça Ouais, aussi. ouais, ouais, ouais. Bah, genre, un Black Panther protection, en général, ça dure plus longtemps. Ouais, Et ouais. vous l'avez fini, du coup, en total de 6 tours. Ah non, j'avais oublié de faire au tour précédent, je crois. J'ai un doute. Ouais, 6 ou 7, j'ai un doute. Ouais. 6 ou 7 tours, ce qui est correct. Pour la campagne, vous seriez pas trop dans la merde. Je crois que c'est à 8 où t'es vraiment dans la merde. Je crois que c'est vrai, il me semble que c'est 8, 9, ouais, un truc comme ça, ou Il me semble que, ça. en fait, grosso modo, dans la campagne, il y a une manigance qui arrive en jeu et elle prend directement des menaces sur la tronche selon le retard que t'as pris ici. Et Oui. donc, si jamais t'atteins directement le maximum, bah, elle passe directement au prochain stade et c'est horrible. Parce que là, on avait un héros, un méchant simple au niveau de la manigance, parce qu'il en avait une seule. Et si jamais elle était achevée, tu perds la partie. Mais il y a des méchants qui ont plusieurs manigances, et quand la première est achevée, tu passes à la suivante, et ainsi de suite. Donc tu peux un peu comme ça, des fois, lâcher un peu de lest et laisser un peu avancer les manigances pour te mettre en place. Et d'ailleurs, avec Mais Iron j'ai la... Man, c'est souvent ce que tu fais. Vu que tu passes tes 2 premiers tours en alter ego à te préparer, la manigance monte très vite, et après, il faut gérer ça, quoi. Et je suis d'accord avec C'est long. Crazy God. Ça dépend des joueurs. Si des joueurs connaissent bien, Oui, bien ça peut sûr. aller très vite. Bien sûr. Voilà. Mais il faut compter quand même quand bien 30 minutes, 40, 30 et 40 minutes pour quand même, Par même joueur, ouais, 45 pour. clairement. Bon. Et encore, même Voilà. moi tout seul, je me souviens quand j'avais fait à l'époque du corset bah Black Panther Protection contre Ultron Modok, j'avais fait une partie de plus d'une heure et demie, hein, tout seul. Parce que j'avais mis vraiment mis du temps dessus pour réfléchir et tout, c'était compliqué. Ça va être long de toute façon. Voilà, c'est ça qu'il faut C'est dire. ça. Plus le vilain est dangereux, plus ça va être long aussi, quoi. Voilà, Vianney, premières impressions du coup. Au début, c'était un peu compliqué parce que tu sais pas trop quoi jouer, mais une fois que t'es en place avec Iron Man, est-ce que t'as pas un peu ce sentiment de puissance, de savoir tout faire? Ouais, évidemment, évidemment. Bien sûr, c'est assez grisant. Et puis j'aime bien le côté un petit peu gambling du rayon répulsif qui est là, est sorti de manière assez magistrale. Je te remercie parce que tu m'as super bien expliqué et du coup pour moi c'est beaucoup plus clair maintenant.
Même s'il faudrait évidemment quelques autres parties En pour bien vrai, maîtriser là, maintenant que la tu as fait une phase. partie et que tu as vu à quoi ça ressemblait, franchement, là, tu prends le livre de règles, même pas, tu prends juste soit le livre de règles, soit les petites cartes bleues et rouges là, de l'ordre du tour à côté de toi, et tu peux tout Et faire ça... tout seul, franchement. Ouais. Parce que tu as beaucoup de mécaniques aussi qui sont expliquées déjà sur les cartes. Donc, Exactement. Oui, tout à fait, j'ai remarqué ça. Mais ça, c'est une habitude de FFG hein, Oui, c'est sur, ça. sur les... Après, plus, en fait, plus quand les mots-clés viennent de sortir, ils les expliquent, et après, ils les expliquent plus. Genre, renfort dans le corset, c'est expliqué. Là, vu que c'est un scénario de la campagne de Crâne Rouge, bah, renfort, ils expliquent plus ce que ça fait. Mais vu que tu as déjà fait des trucs d'avant, normalement, tu sais à peu près quoi. Pareil, donc qui forge de toute façon. Oui, exactement, tu as raison. Et là aussi, Donc. que chaque héros a vraiment des mécaniques bien spécifiques. C'est ça. Enfin, leur deck, les 15 cartes du deck à chaque fois, a des mécaniques différentes. Bon, après, il y en a deux, trois qui se ressemblent un peu, hein, mais c'est quand même bien spécifique à chaque fois. Et donc, du coup, tu n'auras pas du tout la même façon de jouer, la même façon de voir les choses avec un héros ou un autre. Donc. C'est ça. Parce que par exemple, Iron Man, c'est un perso qui se met en place avec des améliorations. Il y en a d'autres qui font ça. Par contre, Iron Man, ce qui est vraiment spécifique, c'est que ses améliorations, elles font des trucs toutes seules déjà, des gantelets, les bottes, tout ça. Et l'autre truc qui est spécifique, surtout, c'est que sa taille de main augmente avec le nombre d'améliorations. Donc au début, tu es vraiment obligé de prendre le temps de les poser pour ensuite être efficace. Tout à fait. Le deck est construit de manière très fun, Ça, je c'est un trouve. deck qui en solo marche très très bien. Iron Man 2-6 en solo, ça marche super bien parce que justement, au début de partie, tu laisses la manigance monter parce que tu veux prendre le temps en alter ego de prendre tes pièces d'équipement. Et après, tu roules sur le jeu et c'est parti, quoi. T'as toujours Ben, ce je petit retiens. moment, t'as ce petit moment compliqué où t'es entre ah est-ce que je passe maintenant héros mais j'ai pas beaucoup d'amélioration. Mais en même temps si je le fais pas ça va monter trop et ça va passer au stade 2B, etc. C'est chiant, enfin voilà. À l'inverse, il y a des parties où on se croit invulnérable et puis Ah le jeu va te sortir, et là tu vas dire oui, c'est fini, merci d'être venu, au revoir. Bon, ça, le fait là d'être à tu. plusieurs mitige un peu plus ça parce qu'il y a moins de trucs vraiment swingy où tu peux vraiment t'en prendre plein la gueule d'un coup. En fait, le scénario au corset qui était vraiment frustrant, c'était Rhino, parce que Rhino, il avait une seule manigance, et son maximum, c'était 7. Et en fait, Rhino, sur une carte qui lui dit de manigancer durant son tour, si tu l'avais déjà laissé manigancer durant son tour, ça fait deux manigances, bah, il finit la partie là-dessus. Donc même si jamais tu avais full vidé la manigance principale, à chaque moment où tu passes en alter ego pour essayer de récupérer des points de vie ou faire des trucs, bah, t'avais ce risque de te manger une double manigance et de mourir instantanément. C'est ça qui est Ouais. bien, ce jeu, c'est qu'il a... Enfin, c'est ça qui est bien. C'est un jeu où vraiment qui a été développé... C'est joli ce que tu viens de faire. C'est un jeu qui a été vraiment développé pour 2 à 3 joueurs. Tu peux jouer en solo et ça marche très très bien. Hein. Moi, je m'éclate en solo et tout. Mais il y a des trucs des fois qui sont, voilà, genre Ronan, dernier scénario sorti, en C'est un jeu qui solo, c'est une prend purge. toute son ampleur quand on est quand même en multijoueur. Hein. À deux ou maximum 3, mais à 4 par contre je déconseille parce que le jeu est vraiment trop long pour le coup. Je suis assez d'accord. À 4, le jeu est très très long et le temps avant que tu ailles ton tour, ça peut être vraiment chiant. C'est vraiment intéressant, mais faut avoir des joueurs qui jouent très très vite, quoi, parce que sinon tu fais des parties de 3 heures. Donc voilà. Et Bah ben, écoutez, merci vu beaucoup qu'on est déjà encore. Et 4 heures, puis, bah y a pas de souci, c'était un essayez plaisir. Marvel Champion. Bah oui, essayez ce jeu-là, il est très très bien. Il coûte pas très cher vu le contenu qu'il a dedans. Parce que un corset à 60 balles avec toutes les cartes en x3, ce qu'il faut et tout, capable de jouer à 4 joueurs avec des decks compétitifs, franchement c'est vraiment pas mal. Et après vous piochez les trucs. Et d'ailleurs ça tombe bien parce que dans un 4 sur table, le 10 ou le 11, on a fait un guide d'achat, dites-vous. Donc profitez-en, regardez-le, ça vaut le détour. Fait un guide sur les héros, sur la puissance des On a héros et fait un ceux qui tier étaient. list, mais elle est plus à Et jouer. Il va falloir un jour qu'on fasse la suite de la tier list. Hein. Ça, c'est peut-être la qu'on mettre à aura tous les jour. persos des Gardiens de la Galaxie sortis. À ce moment-là, on pourra faire une Voilà. tier list avec pas mal de personnages en plus. Et pour Il y a bientôt. des. T'allais dire quoi comme. Pardon, Ouais, vas-y. je laisse Kikor terminer, j'aurai une question après. Bien sûr. J'ai fini. J'allais demander, là c'est un deck qui a nécessité d'avoir plusieurs sets. Non, c'est un deck par contre, enfin plusieurs sets. J'ai pas dû, Enfin, je c'est veux des dire trucs en plusieurs plusieurs extensions. exemplaires. Alors là, le deck, j'ai mis des cartes un peu partout, donc bah, en fait, j'ai considéré que t'as bah, tous les paquets de héros sortis en un exemplaire, les campagnes en un exemplaire et la boîte de base en un exemplaire. Après, je pourrais pas D'accord. dire précisément dans quel set sont quelles cartes, mais là, pour ce Et est-ce qu'il deck-là, faut par ça? exemple, il te faudrait la boîte de base et juste les sets pour certaines cartes justice, Rouge et donc Black Widow. Crâne rouge. Et je sais même pas s'il y a quelqu'un d'autre, j'ai un doute. après, ceci étant dit, D'accord. voilà, beaucoup de cartes, si vous ne l'avez pas dans les cartes que vous avez récupérées,
Vous avez des cartes qui font à peu près la même chose, alors souvent un peu moins fortes, mais qui font à peu près les mêmes effets. Donc vous pouvez très, très facilement compenser. C'est Voilà. ça. Ça arrive souvent qu'il y ait des gens qui disent, ah, je voudrais faire tel deck, qu'est-ce que vous me conseillez? J'ai tel pack, et du coup, bon, on arrive à conseiller les gens en disant, bah, genre, à la place de prendre tel allié, bah, tu prends un autre qui est un peu moins bien, etc. Voilà, il y a des trucs à faire. Ok. Bon, faudrait que j'essaye Doctor Strange, ce perso Ah bah, m'intrigue. oh bah là, d'autres. Alors, je l'ai pas, j'ai hésité à le mettre à la base de Doctor Strange, mais je me suis dit que c'était pas compliqué, mais en fait, le principe de Doctor Strange, c'est qu'il a un deuxième petit deck à côté de lui, qui est un deck d'invocation. Et en gros, à chaque tour, il peut s'incliner pour jouer une des cartes d'invocation qui ont des effets surcheatés par rapport au coût qu'elles coûtent. Et D'accord. il n'y a aucune carte achetée dans Doctor Strange. Tout est méga fort. Son kit de En héros, il fait, est incroyable. son deck de. Tu prends le deck qu'il fournit quand tu achètes le Dr. Strange, tu joues avec et à la limite, tu as besoin de rien changer, quoi. Ouais, c'est un Donc, deck protection, il marche super bien. Mais donc, ouais, non, franchement, hyper les jeux, balèze. tu peux jouer trois cartes, mais globalement, il est déjà très bien tel qu'il est, quoi. Très bien. Clairement. Mais donc oui, je te Mais conseille, c'est le on. meilleur perso du jeu actuellement, donc go. Ok, eh Tu ben seras pas merci déçu. beaucoup pour les conseils, puis j'espère que ça aura aidé peut-être des personnes qui découvraient dans le Dans le chat. chat, ouais. Et En puis tout du coup, cas, bah, je top. pense qu'on va s'arrêter là. Bah écoutez, en tout cas, le chat, j'espère que ça vous a plu. On essaiera plus souvent avec entre jeux justement de faire des petites parties comme ça à deux sur Marvel Champions. Vu qu'on a le mode qui est très très bien foutu comme ça, qui est assez joli, maintenant qu'on a les caméras mises en place et tout. Bah ça marche plutôt bien. Le mode, franchement, encore une fois, chapeau, hein. Il y a deux, trois petits soucis juste à la création des trucs de rencontre, on en a déjà parlé, donc je sais que vous bossez dessus et que ça va être résolu, donc c'est parfait. Franchement, méga bien. Méga, méga bien comme mode. Et Enfin, moi tout en français en plus, ce qui est vachement cool. j'ai pu faire une vidéo dessus là justement pour teaser un peu ce soir. Et c'est vrai que c'est vraiment très chouette. Il est très pratique et je trouve même plus pratique que l'interface de OCTGN de voilà Ah oui, de mais en même temps, où... après, ça c'est. Moi, je sais que j'ai longtemps joué sur OCTGN à l'époque de jeux de cartes comme Trône de Fer et Conquest. Et au début, TTS, je faisais un peu la gueule. Et maintenant que j'ai l'habitude, pour du compétitif, je sais pas, mais en tout cas, pour ça, non, je préfère carrément TTS. Ouais. C'est beaucoup plus joli. Donc voilà. Messieurs, je vous remercie encore une fois d'être venus. Merci Kikord aussi d'avoir remplacé Mathieu à la main levée, parce qu'à la base, c'est Mathieu qui devait jouer Groot, mais bon, il a un J'adore le lapin jeu. un peu J'ai un problème de récalcitrant. lapin. Ouais. J'adore le jeu. On va venir en même temps, mon cher Kettle. Bah ouais. Et puis bah ouais, bah encore merci. Et puis bah à bientôt le chat. On se fait des gros bisous. Et Vianney vient de mettre tout son deck dans sa main. On se Une dit dernière. à bientôt. On va partir et rendre le live. Ah, Kikor, t'as un truc à dire, vas-y. Dernière chose. Demain soir, on fait en live, on fera du Warhammer Quest Curse City. On va se retrouver en live avec les gens, les personnes d'entre-jeux. Donc, il y aura Mathieu, il y aura Tigurius, il y aura Marco, je serai présent aussi, Clément sera là. Donc, on sera 6 Ah ouais, gros jeu. et on va faire un petit peu cette partie de Warhammer Quest Curse City. Voilà, si vous voulez, on sera en direct. Ok. Voilà, demain Bah voilà, soir. vous savez quoi faire maintenant, demain soir. Voilà, j'ai tout dit. Parfait. Et bah allez, sur ce, tout le monde, bonne soirée à tous. On vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.